Et bonsoir à tous, et bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans ce numéro 72 du Mardi C'est Sully, l'émission 100% Switch. On est, je crois que ce soir on est à peu près 100% Switch, vous verrez, à peu près, à 99% en tout cas, beaucoup plus que la semaine dernière. Bienvenue, merci à vous toutes et à vous tous de me rejoindre, enfin de nous rejoindre pour cette belle soirée. Alors belle soirée où on va parler, ça va être une soirée assez chill. Voilà, je vous expliquerai sans doute un jour ou l'autre les raisons de ces soirées qui sont un peu raccourcies, hein. C'était le cas de la semaine dernière, ce sera encore le cas de cette soirée. La semaine prochaine ça va être encore un petit peu spécial, mais on aura le temps d'en parler. Mais oui, je vous raconterai tout ça, j'imagine, un jour ou l'autre. En tout cas, moi j'ai passé une excellente journée et j'espère que c'est la même chose pour vous. Voilà, et je vais commencer par les traditionnels bonjour du chat. Salut Franck Gaudron, salut Bleu, salut Blue Shieldy, Anturus, Nurse Gamer, Euro, Faitital, Scient Ace, Negetsu à la billard, Negetsu en Gaudron, Selemite, Overlord Sama, Thomas Deville, Luduc, Spooky, Sébastien Joly, Jean-Christophe Mori, Garson Gosservers, Just Bart, évidemment Mr. Hitman 47, Rumin, Christophe. Akred, Parador, Nari, Tipsou, il y a des redites. Toon, évidemment, qui est dans les coulisses, qui arrive dans vraiment pas très longtemps. Benji, Oeil de Lynx, salut à toi. Flatinium 72, et tous les autres, et merci Overlord Sama. Merci Overlord Sama qui a. Alors, je sais pas ce que t'as fait, Overlord Sama, mais il y a peut-être un bug dans mon chat, mais Overlord Sama a offert une souscription reçue par Overlord Sama. Tant mieux pour toi. Mais tu sais, il y a plus simple. Mais bravo, 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 bravo Overlord, nickel. Salut Nicolas Massuez, Agrippa du Discord, ça fait plaisir aussi de te voir. Non mais il y a beaucoup de monde du Discord, les habitués de l'émission, ça fait toujours très plaisir. Alors ce soir, qu'est-ce qu'il va y avoir de beau? Comme je vous ai dit, soirée un petit peu raccourcie, on va faire comme la semaine dernière, ça va se terminer vers 23h. Mais déjà, deux bonnes heures d'émission, je pense que c'est déjà assez costaud. L'actualité de la semaine, classique. Les sorties de la semaine, classique, mais alors vous verrez, les sorties de la semaine, ça va être un petit peu raccourci, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de jeux cette semaine, à croire qu'il y a un énorme jeu qui fait peur à tous les autres. Bref, nos jeux du moment, là ça va être un peu plus étoffé, parce que c'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas eu trop le temps de parler de tous les jeux qu'on voulait, et donc là ça va être le moment d'en parler un peu plus, et on finit un peu de chill, un peu discussion, débat, sur... les petites annonces du moment sur... alors c'est vrai que je vous l'ai mis dans le titre de la vidéo, la PS5 Pro, mais c'est plus pour parler un petit peu de cette puissance démesurée, cette puissance dans un mouchoir de poche. Est-ce bien utile? Voilà, c'est plus ça. Je ne vais pas vous parler des teraflops et compagnie, j'y connais rien et je m'y intéresse absolument pas. Mais c'est plus, est-ce que c'est vraiment utile d'aller vraiment aussi loin? Et remercie Overlord Sama qui, ce coup-ci, s'est dit tiens. Non, merci Overlord, franchement, c'est royal. Et ce coup-ci, c'est... Tipat qui a reçu la souscription. Bon, écoutez, hein, je crois qu'il est quand même très important de mettre. Et voilà. Elle est là, elle est toujours là, la petite vidéo. Alors, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui avait dit ouais, c'est bizarre, moi je galère tous les soirs, tous les mardis pour le live ne se lance pas. Et c'est vrai que ça fait 2-3 mardis que j'ai le problème. Le live ne se lance pas non plus parce que évidemment j'ai une fenêtre retour. Moi je sais que quand je lance le live, donc j'ai actualisé la fenêtre et ça marche. Mais je peux comprendre que pour vous, vous savez pas quand je le lance. Enfin, il faudrait que je mette un message dans le chat, ça vous aiderait. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est YouTube qui part un petit peu en sous-sate? Mystère. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne ces derniers jours? Eh bien, essentiellement... un test, celui de Unicorn Overlord, et je vous remercie du fond du cœur parce que ce test, je l'ai sorti comme d'habitude, hein, c'est un peu l'habitude de la maison, après tout le monde, après des gens qui ont rushé le jeu pour vous sortir le test le plus tôt possible, pourquoi pas, hein, chacun s'amuse à faire ce qu'il veut, moi c'est pas du tout ma vision du jeu, j'ai envie de dire. Moi je vous l'ai sorti vraiment tardivement, et pouf, vous avez fait un accueil phénoménal au test.
d'Unicorn Overlord qui est vraiment, je pense, un des tests francophones les plus vus sur YouTube pour ce jeu. Donc, bah, comme quoi, même en prenant son temps, avec une bonne communauté comme vous, réactive, et ben voilà, le succès de la vidéo est là, et ça me fait tellement, tellement plaisir. Bienvenue, Thomas Deville-Duc, dans la team Miyamoto, et bien, bienvenue, et merci, évidemment. Bienvenue et merci, bah, comme d'habitude, hein, tous les nouveaux souscripteurs, membres soutien, je préfère dire membres soutien, c'est plus sympa, de la chaîne, vous avez accès à la petite playlist sur les vidéos de blog qui vous parle un petit peu des coulisses de la chaîne. Voilà, bah, c'est à peu près tout pour les vidéos de la semaine dernière. Il y a moins de vidéos en ce moment, pareil, c'est un jour ou l'autre, je vous expliquerai pourquoi. Et sur Sullivan Streaming, alors peut-être que Justobart pourra mieux vous l'expliquer dans le chat, mais en tout cas, il y aura un stream dimanche, je crois. Il m'a dit ça vite fait dans le chat avant et je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il m'a dit dimanche, sinon il me corrige dans le chat. La musique est finie, il est donc grand temps d'attaquer l'actualité de la semaine. L'actu de la semaine, alors je reprends vos petits messages, coucou Amy Sanchez, coucou Ashinray, enfin, je vois tout, pas mal de monde qui est arrivé, qu'est-ce que j'ai vu, Ashinray, j'ai rattrapé les derniers billets de blog, et ben voilà, voilà. Mais j'espère que ça vous plaît les billets de blog, hein. Je trouve que c'est vraiment la juste contrepartie, ça n'enlève pas des vidéos aux abonnés de la chaîne, parce que voilà, moi le but c'était pas non plus d'enlever des vidéos aux abonnés de la chaîne, mais ça rajoute une petite petit truc sympathique complémentaire. Donc voilà, et Jastobart nous confirme que c'est dimanche matin, certainement sur Carto, et bah tant mieux. Salut Art Moni, ça va super. Et Sacha Diz qui dit normal, c'est ton avis qui nous intéresse, ça concerne donc Unicorn Overlord. Merci Sacha. Bon, l'actualité de la semaine, alors. Est-ce que vous aimez les jeux indés? J'espère. Si vous n'aimez pas les jeux indés, au revoir. Non, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Nintendo a vraiment pas beaucoup communiqué cette semaine. Du côté des tiers, il ne s'est pas passé grand-chose. Par contre, beaucoup d'infos sur les jeux indés et beaucoup de dates. Des jeux qu'on attendait, c'est marrant parce que c'est des jeux dont on vous a parlé à diverses reprises. Et là, ça y est, beaucoup de dates qui tombent. Le mois d'avril va être très chargé. Essentiellement un jeu indé, le fait est en mois d'avril il n'y a pas de jeu Nintendo, donc bah, si vous vous ennuyez, hein, les indés seront là, et on va commencer hop, directement, alors là on n'est pas du tout sur de l'indé, oui, c'est vrai que je voulais quand même faire ça vite fait pour démarrer, alors ça va aller très vite, parce que c'est bientôt fini, c'était pour vous rappeler, parce que je trouve que la communication de Nintendo sur les jeux à l'essai elle est toujours un petit peu obscure, moi je passe souvent à travers, bah, souvent c'est un peu la surprise, Vampire Survivors est disponible en jeu à l'essai. Alors, ça a démarré, l'essai a démarré le 14 mars. Il se termine le 21 mars, donc ça va très vite. 21 mars à 23h59. Hein, donc, vous avez encore plus de 2 jours et demi pour essayer ce jeu. Jeu qui est excellent. Et en plus, bah, c'est pas grave si je vous donne l'info. Enfin, si vous découvrez l'info que maintenant. Parce qu'en réalité, Vampire Survivor, il faut faire 2-3 runs. Hein, c'est un roguelite. Vous faites 2-3 runs pour voir si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, bah. Soit vous y jouez gratuitement sur smartphone, parce qu'il est gratuit sur les stores Android et iOS, soit vous dépensez 4,99€, quoi qu'en ce moment il est en super promotion, j'espère que tu as trouvé le prix. Ouais, il est à 4,24€ en ce moment, très précis, au lieu de 4,99€, voilà, bah ça, moi j'aime bien Vampire Survivor. Des nouvelles de Silsong, toujours pas, malgré cette belle promesse d'actualité dédiée au jeu indé, pas de nouvelles de Silsong. Un jour peut-être, mais... Voilà, on devrait faire des paris un peu comme des bookmakers. Qui va arriver le premier entre Silsong, Prime 4 et la Switch 2? Voilà, et rajouter Beyond Good and Evil 2, histoire de dire dedans, comme ça vous s'abuse bien, on met le quatuor magique. Peut-être que dans LoL plus tôt, ça sera peut-être la Switch 2, mais bon. Tiens, bah écoute, Alors, ouais, le contenu additionnel de Prince of Persia, donc je réponds directement. Je vais pas en parler, c'est vrai que j'aurais pu en parler, mais je m'y suis pas trop intéressé. Enfin, si, je me suis suffisamment intéressé pour me dire que ça m'intéressait pas, mais j'aurais quand même pu dire quand même 2-3 petits trucs. Tout ce que je sais, c'est que il y a plusieurs vagues successives qui vont être apportées dans le contenu additionnel, pas mal de skins, quelques petites quêtes, et il y aura un gros contenu narratif, enfin des nouvelles quêtes narratives qui vont arriver, mais
plus tard. Donc peut-être que ça, on en parlera quand ça arrivera. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Voilà, pour faire simple. Et la boîte de Chain Echoes, ouais, merci Mr. Warmoth. Qu'est-ce qui va arriver le premier dans tout ça? C'est vrai que la version physique de Chain Echoes aussi, c'est quelque chose. Mais je vais rebondir sur ce que dit Anturus, Akred et d'autres concernant Eiyuden Chronicles, parce que oui, ça, par contre, c'est prévu. Alors, il y a deux, trois petites choses sur Eiyuden Chronicles. Alors, est-ce que je vais avoir la vidéo? Voilà. Alors, je vous mets cette vidéo à la base, parce que cette émission est préparée longtemps en avant, bien entendu. Cette vidéo était juste là parce que il y a une nouvelle vidéo sur Eiyuden Chronicles et je voulais vous la présenter, vous rappeler que le jeu sort le 23 avril, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, 23 avril 2024. Vous dire que c'est un super Kickstarter qui détient toujours le record en 2020 du Kickstarter qui a fait le plus de recettes. Super. Mais il y a un petit truc qui n'est pas terrible dans tout ce joli schéma idyllique. La version physique est retardée. Alors voilà, attention, j'ai vu dans le chat, mais c'était corrigé après et très bien. C'est pas le jeu en lui-même qui est retardé. Le jeu est toujours prévu pour le 23 avril 2024. Mais la version physique des Eiyuden Chronicles est retardée. Pour faire simple, parce que j'aime bien, ils disent c'est retardé dans telle et telle zone. Mais en gros, ça serait plus simple de dire que elle sortira au Japon en temps et en heure, hein, c'est-à-dire le 23 avril, mais dans tout le reste du monde, faisons les choses simplement, elle sortira le 21 mai 2024, donc elle aura presque un mois de retard, la version physique. Alors, ils ont tenté à rassurer les backers, hein, ceux qui ont participé au Kickstarter. Parce que quand on participe au Kickstarter, il y a différents paliers. Et on peut demander soit une version numérique, soit une version physique. Ceux qui ont demandé une version physique au Kickstarter recevront gratuitement une version numérique dès le 21 avril. Petit cadeau. Mais voilà, si vous avez commandé votre version physique, et typiquement, j'ai envie de citer la Fnac, parce que j'ai encore été sur le site de la Fnac cet après-midi, et j'ai constaté qu'ils n'avaient toujours pas retardé le jeu sur le site de la Fnac, où il est toujours annoncé le 21 avril. Or, on sait qu'il ne sortira pas le 21 avril en physique. Voilà, bah là vous allez l'attendre longtemps et je suis le premier déçu, hein. Je suis le premier déçu parce que c'est un jeu que j'attends énormément. Et évidemment en physique, quoi, j'ai pas envie de me le prendre en des maths. Voilà, donc je sais pas encore comment je vais faire, à part essayer de faire la danse du ventre à l'éditeur pour avoir un code test. Bah ouais, parce que ça m'embête de remettre 60 balles en des maths, quoi. Et reprendre une version physique derrière, parce que la version physique, dans tous les cas, je l'achèterai, ça c'est clair. Même si j'arrive à avoir un code test, c'est évident que j'achèterai. Et puis j'aimerais bien, si je peux avoir un code test pour vous présenter le jeu un peu plus tôt, ça serait cool, mais ça... Mystère! Retardé sur Amazon, ouais. Amazon l'a mis. Amazon, je crois déjà, j'ai vu sur Amazon que le retard avait été mis. Mais je crois que sur la Fnac, il y est pas. Pas d'infos, Triforce62, sur la compil Suikoden, aux surprises. Hein, j'étais tellement persuadé que Konami allait nous le sortir la veille des Eiyuden Chronicles. Puis non, a priori. Enfin, c'est un truc qui peut tomber quasiment en Shadow Drop, hein, la compil Suikoden. Donc, pourquoi pas. Ouais, déçu du report de la version physique. Non, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et en plus, le pire, c'est que ça concerne que la Switch. Il sera disponible en physique, Day One, sur PS5. Je sais plus sur quoi il sort. Est-ce que je me le suis noté? Ah, j'ai pas noté les autres versions. Mais ça concerne que la Switch. Voilà, je sais qu'il sort minimum sur console PlayStation. J'ai un doute entre le PC. Bon, PC, c'est clair qu'il n'y a pas de version physique. J'ai un doute sur Xbox. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez acheter une version physique Day One sur PS5 en Europe sans aucun problème. C'est que la version Switch qui est à la bourre. Fort, fort dommage. Ouais, Amazon n'a pas géré sur Unicorn. Idem, j'ai eu un problème chez Amazon. J'avoue. Bah Olivier Ball, je viens de répondre pour la compil Suikoden, donc voilà. Je pense que tu as eu la réponse, ou sinon il y a un problème. Ou sinon tu es très très décalé dans le dans l'émission. On fera nos débuts sur le Game Pass. Oui, c'est vrai qu'il est sur Game Pass. C'est pas Square Enix, c'est 505 Games. C'est 505 Games qui se charge de l'édition des Eiyuden Chronicles. Donc, alors, est-ce que le problème vient de 505? Est-ce que le problème vient de Nintendo qui n'a pas fourni les cartouches? Est-ce que le problème de... Je sais pas de qui vient le problème. Mais il y a eu un problème, ça c'est clair. Abdelghani! Il sort quand Suikoden? Vous le faites exprès ou quoi? Je sais toujours pas. Je pense qu'il y a vraiment du monde qui est en retard sur ce chat. Ouais, peut-être que les préco nécessitent plus d'approvisionnement, je sais pas. Je pense que Nintendo a peut-être galéré à fournir les cartouches ou ils sont pris trop tard. Ils sont peut-être pris trop tard. Hein.
Aucune. Ah bah tu viens d'arriver, pas de soucis, désolé. Donc non, pas d'infos sur Suikoden, malheureusement. Enfin malheureusement, mais j'ai presque envie de dire heureusement. Laissons un temps à Yuden Chronicles et la compil Suikoden 1 et 2 plus tard. Ça m'aurait vraiment gêné que les deux sortent simultanément. Ça aurait été vraiment petit et mesquin de la part de Konami d'oser faire ça. Voilà. Ça aurait été vraiment petit. Donc, j'ose espérer. Shinrai. Ça va devenir le nouveau running gag. Il sort quand Suikoden. Oui, il est sur. Alors, à confirmer Garden of Salves, je suis quasi sûr qu'il a été confirmé sur Game Pass Day One. Si quelqu'un. Parce que j'ai vu quelqu'un l'a écrit dans le chat. Hein, si quelqu'un peut me le confirmer, mais ça me parle qu'il était annoncé sur Game Pass Day One. Oui, parce que oui, c'est même sûr. Parce qu'il avait été. Il avait une vidéo dans la dernière conférence Xbox. Donc, ça veut dire qu'il est Game Pass forcément. Bon! Alors, ça, là, on était plutôt. Je vous ai pas encore donné de date. Là, c'est plutôt des absences de date. Mais je pense qu'on va arriver dans un. Petit tunnel de date, et on va commencer avec un jeu. Alors ça, la date est tombée aujourd'hui, d'ailleurs moi j'étais passé un petit peu à travers, et en gros je vous présente comment il a été présenté sur le Discord de la chaîne. Hop. Oui, mais comme Sully, il aime pas Tunic, donc il aimera pas Animalwell. Alors déjà, j'ai pas dit que j'aimais pas Tunic. On va reparler un petit peu de Tunic ce soir. Mais ça, voilà, il s'agit d'Animalwell, qui est un jeu qu'on vous a déjà présenté, parce que ça fait longtemps qu'on l'a dans le viseur, et il est présent dans la vidéo des jeux qu'on attend le plus pour l'année 2024. Donc c'est quand même dire à quel point on l'attend, parce que sur cette vidéo, il y a quand même eu un sacré tri qui a été fait. Animalwell sortira, ça y est, on a une date de sortie, le 9 mai 2024. Alors, qu'est-ce que c'est Animalwell? Parce que là, vous allez me dire... à part une petite bouboule jaune qui saute avec une sorte d'image qui nous présente un filtre TV cathodique, à quoi ça sert? Évidemment, et pourquoi je parle de Tunic? Alors pourquoi je parle de Tunic? Bah c'est très simple. C'est un jeu qui va énormément fonctionner avec des objets, mais une utilisation assez systémique des objets. C'est-à-dire que vous allez obtenir un objet, vous allez vous en servir pour une chose sur un écran, et vous allez vous rendre compte, peut-être beaucoup plus tard, que cet objet, il a plein d'autres utilisations. Et vous allez vous rendre compte que les 50 objets de votre inventaire, ils ont tous chacun 50 utilisations en fonction des environnements, en fonction des adversaires qui sont face à vous. Enfin voilà, c'est un jeu à surprise, évidemment, c'est pour ça qu'on pense à Tunic. C'est un jeu qui sera sans doute, en tout cas nous on le traduit comme ça, mais c'est un jeu qui va sans doute apporter des grosses grosses surprises. On pense avoir compris quelque chose et puis en deuxième partie de jeu, on va se dire « Ah non, ok, en fait non, c'est... » On le réécrit totalement, quoi, le truc. Il y avait plein de choses qui étaient sous notre nez, mais qu'on n'a pas voulu comprendre. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas voulu comprendre, mais qu'on n'a pas compris entièrement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'attend beaucoup, Animalwell. Ouais, le jeu tourne sur un oscilloscope, ou plutôt, quoi, une télé cathodique. Hein. Tout à fait, Animalwell, je te le remets le titre à l'image. Voilà, Animalwell. Donc ça, PS5, Steam. Switch, alors si vous l'avez vu, hein, parce qu'à un moment on voit une sorte de carte, ça peut même faire penser un peu à Metroidvania. Je sais pas si je pourrais vous remontrer la carte dans le trailer. C'est une sorte de carte à la Metroidvania, mais pensez plus quand même à un jeu plus d'énigmes. Voilà, plus d'énigmes et de jeu qui va se révéler petit à petit. Grosse attente, ouais, bah, Toon il est à fond dessus. Non, on est vraiment à fond dessus. En plus, 9 mai, c'est pas trop mal. Moi, je trouve que c'est pas trop mal en date. Ouais, c'est quand même pas trop mal. Grosse curiosité, mais je pense qu'il y a vraiment, vraiment de quoi être très, très, très curieux sur ce titre. Allez, on continue dans les dates. Et là aussi, on va faire plaisir à Toon, parce que c'est plus Toon que moi, celui-là. Il s'agit de Paper Trail, qui lui aussi a une date de sortie qui vient d'être annoncée. Et lui, il sortira le 21 mai 2024. Là, vous allez voir, avril-mai, c'est vraiment le mois de l'indé. 21 mai 2024, donc Paper Trail, pareil, c'est un jeu qui nous a fait vraiment de l'œil. Et comment le décrire mieux qu'avec ce que vous voyez tout simplement à l'écran, hein. Je pense que c'est vraiment le plus simple à comprendre ce qui se passe. Paper Trail, c'est cette jeune femme qui part à l'université. Mais sur son chemin, eh bien, va y avoir toute une série d'énigmes qu'on va résoudre en pliant et dépliant des feuilles de papier qui vont ainsi lui permettre de créer un chemin. Ça paraît simple, mais comme il y a plusieurs façons de plier le papier, comme donc on a bien compris que des fois il faut plier, mais aussi des fois les papiers voilà, sont double face, donc on voit ce qui se passe derrière uniquement en les dépliant. Enfin, c'est un jeu énigme, il faut aimer les jeux énigmes, mais je trouve en tout cas l'idée de base assez brillante. Puis regarde, c'est pas une sorte d'origami, qu'est-ce que c'est joli. On comprend, hein, vous avez vu les lignes qui se...
qui apparaissent si on fait si on relie bien tout ce qu'il faut relier. La musique aussi. Non, je pense que voilà typiquement, là, on a bien refait le dessin. Je pense que Paper Trail aussi, ça peut être très, très sympa. Évidemment, je pense que ça va pas être un jeu très long. Moi, je ferais un pari que c'est un jeu qui va durer 4-5 heures. Et je pense qu'il faut pas que ça dure beaucoup plus longtemps, parce que ce genre de concept, ça s'étale souvent mal sur 20 heures. Mais voilà. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Au cours du voyage, je vous apprendrai à plier le monde qui vous entoure pour résoudre des énigmes, explorer des nouvelles zones et découvrir des secrets depuis longtemps oubliés. C'est un jeu énigme. Voilà. Tiens, salut, Jeu Dark. Le mois de mai, full indé. C'est pour faire le plein avant le DLC d'Elden Ring. Ouais, Toon, t'as raison. C'est quand déjà le DLC d'Elden Ring? C'est juin, je crois. J'ai pas la date. Je crois que c'est juin. Carto, oui, voilà. voilà. Oui, c'est ça. C'est ce qu'avait dit Dja. Dja qui fait dimanche matin sur Sylvain Streaming. Carto. Et apparemment, Toon a pas aimé. Tant pis, Dja. Eh bien, tu verras si toi tu aimes ou si tu changes de jeu. Je tiens à dire, hein, petite information, Dja est aussi passé du côté obscur de la force. Dja a une PS5. Ah ouais, mais je crois que tout le staff a une PS5 maintenant. Comme quoi. Bon, allez, on va continuer sur les dates. 20 juin pour Elden Ring. Ouais, merci. Ah ouais, faut que je trouve du temps. On continue dans les dates, mais alors ça, c'est un jeu où on sait vraiment ce qu'il vaut, parce que il est déjà sorti sur Xbox il y a quelques temps, Xbox et PC. Il s'agit de Planet of Lana, même si pour le moment, vous ne le voyez pas, mais moi, je sais qu'il s'agit de Planet of Lana. Planet of Lana, alors lui, ça va arriver beaucoup plus vite que ceux que je viens de citer, enfin beaucoup plus vite, un peu plus vite, puisque lui sera disponible le 16 avril. Alors, c'est vraiment un hasard, hein, toutes ces dates de jeu indé là qui tombent à la chaîne, pom 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 pom. Planet of Lana, c'est un jeu qui a été plutôt bien reçu lors de sa sortie sur Xbox et PC. Alors, on n'est pas du tout dans le cadre des jeux Xbox ambassadeurs, hein, qui étaient Pentiment et le fameux Grounded qui arrive en avril. Même si là, on est quand même sur un jeu qui était sponsor Xbox, hein. On sait qu'Xbox a payé une sorte d'exclusivité temporaire qui a duré plus d'une année de mémoire. Mais là, en tout cas, le 16 avril, Planet of Lana sera disponible sur Switch, Xbox. Alors, si vous voyez un peu ces décors de fin du monde, bah, c'est tout à fait normal, hein, c'est le pitch du jeu. En fait, ça va être une grande trame narrative qui va s'étaler sur plusieurs siècles, a priori. Et on va, en fait, vivre un peu de loin une guerre entre les humains et, je crois que c'est des extraterrestres, hein, si je dis pas de bêtises. Je vais y arriver. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, hein. Ouais. Ah voilà, c'est ça. Une guerre millénaire qui menace de détruire leur planète. Alors, je ne sais pas si c'est une guerre homme-machine ou homme-extraterrestre, excusez-moi, j'ai raté un petit truc. Mais en tout cas, voilà, on va vivre cette grande fresque sur plusieurs étapes, a priori. Ça a été bien reçu, vous avez compris que c'est un platform, enfin c'est pas un platformer parce qu'il y aura un mélange d'énigmes et de plateformes en 2D vite côté. Jeu d'ambiance essentiellement sympa comme jeu, c'est un Inside Light, oui voilà. Et non, ça se passe pas sur plusieurs siècles. Ah, c'est plus dans l'or, eh ben merci Toon, parce que là vraiment moi j'ai pris le communiqué de presse. Comment ça se racontait? Ouais, bon, je sais plus, enfin, c'est pas grave, mais bon, tant mieux. Tant mieux. Alors peut-être passe au retour dans le passé, je sais pas. Bref, c'est pas grave. La DA est... Non, mais il est très joli comme jeu. Bon accueil critique, en tout cas, lors de sa sortie sur Xbox. Je crois qu'il me reste un ou deux. Il doit m'en rester un ou deux. Oui, alors là, pareil. Alors lui, pareil. Hein. Merci le Discord. Je le dis tout de suite. Merci le Discord parce que je le connaissais pas du tout. Mais j'ai trouvé ça vachement beau. Vous allez voir. Petite musique d'ambiance. Alors, au début, j'ai pas trouvé ça très beau. C'est vrai que quand on voit ce décor en 2D avec ce personnage un peu filiforme, ça renvoie pas grand-chose. Enfin, moi, ça m'a pas du tout parlé. Mais dès qu'on commence à voir l'univers un petit peu macabre, il y a une vraie direction artistique. Il y a vraiment quelque chose. Plus on avance, plus il y a quelque chose. Et je trouve que ce trailer est très très bien monté parce qu'il monte vraiment en intensité du début à la fin. La proposition du jeu en fait se dévoile petit à petit. Alors c'est un platformer, hein, grosso modo c'est ni plus ni moins qu'un platformer 2D, hein, c'est pas présenté c'est pas du tout présenté comme un Metroidvania, même si c'est une tronche de Metroidvania, a priori
ce n'est pas un. Même si Toon dans le chat va peut-être dire que c'en est un, mais je crois pas, hein, vraiment je crois pas. Ah, il tape dans son clavier, j'ai Toon dans le retour, hein, je suis en gros un gros clin d'œil parce que je suis en train de dire, mais j'ai pas vu Metroidvania, mais ça ressemble quand même vachement à Metroidvania. Non, c'en est pas un. C'en est pas un. En fait, c'est présenté comme de la Dark Fantasy plateforme 2D. Mais voilà. Voilà, grosse direction artistique, je pense. Donc, Dear Villager, c'est de l'édition française, mais c'est pas du tout un studio français. Je sais plus d'où ça vient. Mais ça, c'est pas grave. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre là-dessus? Donc, oui, il faudra. Alors, j'aime bien le titre. Il faudra percer le mystère des îles souriantes. C'est vachement souriant comme jeu, hein. Qui cachent en leur sein des monstres cauchemardesques et à affronter, et des énigmes à résoudre. Voilà. Les joueurs devront reconstituer un récit brisé suivant une approche narrative unique, pourquoi pas, en explorant le monde de Saviorless. Je sais pas, mais vraiment, mais il m'a fait de l'œil. Donc oui, effectivement, quand il dit merci le Discord, c'est merci Toon. Alors, là, c'est merci Toon, mais tout à l'heure... Ah bah non, ça sera pas tout à l'heure, ça va être après. Après, ça va être merci le Discord, mais ça sera merci Euron. Euron, je sais jamais comment je prononce. Euron pour le jeu suivant. Mais voilà. Ouais, c'est l'île de la mort, quoi. L'île souriante, tu vois le truc. C'est gay. Alors, c'est quand Jésus va en enfer pour pardonner les humains. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une symbolique derrière. Mais effectivement, je ne l'avais pas vu, mais on voit l'auréole du Christ derrière. Il y a peut-être une symbolique. Il y a sans doute une grosse symbolique. Ouais. La DA est très chouette. La DA est vraiment chouette. Allez, Payo l'a rebaptisé Grisphemous. Grisphemous. Ah, pour Gris ? Ça n'a aucun rapport avec Gris ? Bon, je sais pas. Première image du trailer, c'est littéralement le tableau L'île des Morts. D'accord. Eh bien, j'avoue que je ne connaissais pas. Il m'en reste un, je crois. Enfin, il me reste en fait deux actus. La première, ça va aller relativement vite. Et ça, voilà, c'était la dernière info du Discord. J'étais totalement passé à côté de ce jeu. Alors là, vous vous doutez bien, c'est pas Toon. Puisqu'on est sur un simili pseudo JRPG, mais c'est fait par des Français. Ça s'appelle Terra Memoria. Et c'est développé par le studio indé français qui s'appelle... La moutarde. Pourquoi ça s'appelle la moutarde? J'ai pas cherché. Donc c'est un jeu assez classique. Mais même eux, ils le vendent comme un jeu classique. Vraiment hommage au JRPG d'antan, qui se joue à 6 personnages, en tour par tour. Donc c'est une épopée où il y aura toujours les mêmes 6 personnages du début à la fin. On les voit, ils sont tout le temps du haut. Hein. D'ailleurs, vous les voyez dans les barres de vie en haut à gauche. Aventure, avec quelques petits à côté, du craft... construction de base et de la cuisine, voilà. Et il faut savoir que tout ce qui est craft, objet à préparer et même la cuisine rentrera dans le cadre d'un paquet de quêtes annexes à compléter. Ils décrivent ça vraiment comme un voyage très chill, hein. C'est pas genre la grande fresque et voilà, épique, on va sauver le monde d'une calamité. Alors, peut-être qu'à la fin et à la fin on tue un dieu, ça sera peut-être le cas à la fin du jeu, mais en tout cas c'est vraiment décrit comme un jeu très très chill. C'est un voyage, voilà, c'est un voyage avec ce petit groupe que je connaissais pas du tout, et j'ai oublié de vous dire, mais c'est apparu à la fin. Ça sort très bientôt, puisque ça sort la semaine prochaine, le 27 mars, donc ça arrive très 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 vite. Voilà, vous y visitez le présent et le passé. Voilà, on pourra voyager entre le présent et le passé pour découvrir qui contrôle les cristaux. Je pense que rien qu'avec les cristaux, ils aiment bien les hommages, mais les cristaux, ça fait quand même très Final Fantasy. Et pourquoi les anciennes machines attaquent et comment tout cela est lié. Oh, eh bien, écoutez, on verra. J'ai beaucoup aimé OSM. Ah, la moutarde avait fait OSM. Oh, j'ai pas du tout joué à OSM. J'ai pas du tout joué. Old School Musical. Ok, et dernière actu, et là ça va aller ça va aller vite, parce que là j'ai même pas de trailer, c'est pour vous présenter Pluck. Voilà, je voulais le faire, je fais mon Just Bart, mais c'est puisque c'est un jeu dont on vous a parlé sur la chaîne, puisque Toon en a fait le test il y a un mois maintenant, je crois, à peu près. Citizen Sleeper sort en version physique, je crois que c'est déjà préco d'ailleurs chez Toon. Version physique qui va arriver, oula, dans assez longtemps quand même, mine de rien, puisque ça arrive le 28 juin 2024.
Mais en tout cas, bah, si vous avez aimé ou si vous voulez tout simplement découvrir Citizen Sleeper, outre le fait de vous dire qu'il y a un super test sur la chaîne, mais que vous êtes plutôt team physique, eh bien, c'est l'occasion ou jamais. Donc, dans cette formidable boîte qui sera distribuée en France, hein, parce que vous avez peut-être remarqué en bas à droite le Fan Gamer, mais Just for Games se charge de l'édition en France, donc vous pourrez le retrouver assez facilement, enfin quand je dis en France, au Canada et en Belgique, évidemment, et peut-être au Luxembourg, et je fais coucou à tous nos amis francophones. Mais voilà, c'est quelque chose qui sera facilement accessible, il ne faudra pas forcément aller sur des sites d'import. Donc, nous avons une merveilleuse jaquette réversible, regardez-moi comme c'est beau à l'intérieur. Nous avons aussi, hop là, je ne sais plus ce que c'est, ah si, la carte en poster, double face, voilà, donc vous aurez deux illustrations sur un merveilleux poster plié en neuf, hein, avec un peu de chance, ou en neuf a priori. Et enfin, dernier point, hop là, ça va être ça, des petits stickers, voilà, bon, ça c'est pas une édition collector, hein, vous l'avez très bien compris, c'est quelques petits goodies en plus qui vont tenir dans la petite cartouche Switch, hein, la petite cartouche traditionnelle, mais ça fait toujours plaisir. Je crois que c'est 34,99€, j'ai pas noté le prix, si quelqu'un l'a, n'hésitez pas. Mais voilà, bah, que vous dire de plus à part 28 juin 2024. Je crois qu'il est dispo chez Fangamer EU. Ah oui, c'est vrai que c'est Fangamer qui avait qui a créé sa boutique Europe. Effectivement, j'ai pas fait gaffe, mais peut-être. Un test prévu sur Kingdom Come Deliverance? Non. Alors j'ai fait beaucoup de choses pour la science, mais j'ai pas été jusque là. Et non. Le fait est, je n'ai pas du tout, j'ai pas pris Kingdom Come Deliverance, donc il n'y aura pas de test. Trop de jeux en ce moment, trop de jeux. Oui Marie, mais t'as raison, et je voulais en parler, mais j'avais pas de visuel, donc je me suis dit, je vais attendre un premier trailer pour en parler, mais néanmoins, effectivement, Jack Jen, qui est un visual novel dont vous avez déjà parlé, je me rappelle très bien, lors du calendrier des sorties de Toon l'avait mis dedans, parce qu'il avait perçu, bien que ça soit pas du tout son genre de prédilection, il avait perçu que c'était un jeu majeur, dans le genre du visual novel. Et donc effectivement, il y a une suite qui est en cours de préparation pour Jack Jane. Ils ont annoncé, alors c'est vrai qu'on dit que c'est un visual novel majeur, ils ont annoncé qu'ils ont fait 100 000 ventes, mais tant mieux pour eux, c'est vrai que ça me paraissait pas énorme, on regarde quand même la petite popularité de ce jeu. Mais 100 000 ventes dans le monde, c'est quand même déjà pas mal. Bon! Eh bien écoutez, je crois que j'ai tout dit. Est-ce qu'on a déjà parlé de Peach? Non, on va parler de Peach dans le calendrier des sorties. Eh bien écoute, Stani, tu m'offres une parfaite transition parce que je le vois sur le côté et le trépigne d'impatience. Nous allons accueillir Toon pour la seconde partie de l'émission. Et donc, c'est parti pour le calendrier des sorties. A tout de suite. Salut Toon! Ah, Toon, on ne t'entend pas. Salut. Ah, non, c'est bon. Au moment où je vais pour dire salut, je lui dis ah, oui. J'ai oublié de me démuter. J'ai oublié un bouton. Comment ça va? Ben ça va super, et toi? Mais ça, bon, moi tu sais que ça va super. Ouais. J'étais pas en train de trépigner, en fait j'étais en train de me dire mais mince, j'ai pas préco l'édition physique de Citizen Sleeper, il faut que je le fasse au plus vite. Je pense que chez Just for Games ça devrait être tranquille en termes de stock. Généralement, quand ils éditent. Mais ouais, n'hésite pas quand même, n'hésite pas. Ouais. Surtout, en fait, je l'ai regardé chez Fangamer EU s'il y avait des gros frais de port, parce que c'est pas en France, de toute façon, je crois que c'est en Allemagne. Ouais. Je suis pas sûr. Mais bon, voilà, bref. Ouais, mais c'est quand même beaucoup mieux depuis qu'ils ont fait ça, mais il n'y a pas tout sur Fangamer EU, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Mais bon. J'en profite, je reviens dessus, parce que tu as présenté le jeu, alors ça y est, j'ai déjà perdu le nom, pour te dire à quel point il m'a marqué, le JRPG français, là. Terra Memoria ? Terra Memoria, parce que j'y ai joué pendant le Steam Next Fest. Ah, t'as fait la démo ? Oui, c'est vrai qu'il y a une démo sur Steam qui est dispo. J'ai fait la démo, et il est rentré, j'avais fait des catégories, j'avais fait coup de cœur, j'essayerai, je suis pas sûr, mais dans le doute, je le garde à l'œil. Je crains le pire. Non. Non. Je l'ai mis dans la catégorie non. Ah, ouais. Il y en avait une pire, hein, il y avait la catégorie lol. Mais non, c'est... J'ai été très empalé au début parce que le système de combat paraît super original. Et en fait, très vite, il tombe à l'eau parce que ça se déroule comme dans tous les JRPG. C'est-à-dire que tu finis par faire boule de feu à tous les combats. Lunarang bon. Oui, ah, sauf que... Oui, alors oui, parce qu'en plus, il me semble que t'as un principe aussi dans celui-là de... Lunarang. Non, mais pas au point de Lunarang, mais de comment on appelle ça déjà? De QTA.
D'accord. Pour réussir tes attaques. En fait, il y a plein de bonnes idées, mais de ce que j'ai vu, en tout cas de la démo, c'était pas très... C'était pas ouf. Et ça parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc désolé, peut-être descendez votre hype si jamais ça vous a emballé. C'est ça. Attendez de voir un petit peu plus de retour. Comme toujours, attendez des tests. Mais moi, j'étais très très surpris parce que ça reste quand même des jeux que je suis pas mal. J'ai découvert son existence il y a 2 heures, quoi, hein, très, très clairement. Hein. Ouais. J'ai découvert sur le Discord. Alors, si tu avais lu tous les retours que j'ai fait du Steam Next Fest sur le Discord, tu aurais connu son existence ou tu l'aurais oublié la seconde après avoir lu mon truc, ce qui n'aurait pas été une mauvaise chose. J'ai dû lire le début, mais je crois que quand j'ai vu la catégorie non. Je fais non. Mais non, il y avait 70 jeux. Je vous pardonne, évidemment. C'était pour les plus curieux. Tout à fait. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez des jeux à faire cette semaine dans votre backlog. Bah, parce qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Sur Switch. Il y a quoi ailleurs? Dragon's Dogma, c'est cette semaine? Oui. C'est ça. Rise of the Ronin, c'est cette semaine aussi. Les deux cette semaine? Oui. D'accord. Bon, voilà. Moi, j'ai toujours pas fini mon backlog. Moi, je suis toujours, vous savez, Unicorn, Rebirth. Rebirth, Unicorn. Voilà. Ah, bah là, de toute façon. Donc, je suis tranquille. Ouais. Aujourd'hui, c'était la sortie d'un jeu que je sais que vous attendez. On l'attend tous chaque année. C'est le rendez-vous annuel, hein, vraiment, de tous les gamers. Ah. C'est MLB The Show 2024. Ouais. Enfin, 24 plutôt. Mais regarde ce jeu merveilleux baseball, donc... jeu où il y a écrit PlayStation Studio au lancement. Je kiffe. Donc, un jeu de baseball. C'est le FIFA du jeu de baseball. Faut savoir quand même que c'est des jeux qui sont toujours bien reçus. Oui. Donc des jeux quali. Hein. J'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que si vous étiez vraiment fan, vous auriez acheté le jeu en mode digital deluxe et vous seriez déjà en train d'y jouer depuis une semaine. Oh là là, ces accès anticipés. Pour la modique somme de 100 euros, bien sûr. Oh, pouf. Sinon, le jeu vaut 60 euros. Non, mais sérieux, c'est 40 balles de plus à la digital deluxe. Oh la vache. Ouais. Il y a deux crans. Il y a la MVP à 85 euros et la digital deluxe à 100 euros. Je sais pas dans laquelle il y a l'accès anticipé ou pas, mais de toute façon, c'est trop tard. Ce qui m'avait fait beaucoup rire, c'était sur Starfield. Il y avait eu un accès anticipé, je crois, de 5 jours ou 7 jours dans la version deluxe. Et je m'étais fendu quand même d'un tweet en disant, bon, écoutez, les gars, honnêtement, vous avez payé vos 20 balles de plus pour jouer 5 jours avant, quoi. Au bout d'un moment, faut être honnête. Et là, t'as tout le monde qui dit non, parce que il y a deux DLC qui vont être dedans. Alors en fait, t'as aucune idée de ce que seront les DLC. Astro, ça va être des quêtes qui vont durer 8 minutes chacune, quoi. Non. J'achète juste pour les deux DLC qui vont être dedans. Alors qu'en réalité, les gens sont tout à fait capables. Et je comprends, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais voilà, les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont impatients et qui sont prêts à payer 20 balles de plus pour jouer une semaine avant. Ça, je pourrais faire partie de ces joueurs-là selon. Je m'en cache pas. Silksong, Take My Money. Voilà, un Silksong, un nouveau From Software qui va sortir. Oui. Silksong, ça va être du genre. Désolé. Non, mais je paye 60 euros au lieu de 30, mais c'est pour soutenir un petit studio indé, vous comprenez. Toutes les excuses sont bonnes. Ouais. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Par contre, on va peut-être passer un peu plus de temps sur le jeu suivant. Alors je suis désolé, j'ai inversé si t'as pris les pas trailers de souci. Un peu plus tôt. Là, on va parler parce qu'on passe directement à vendredi, la journée chargée, mais pas vraiment sur Twitch. On va tout de suite passer à The Legend of Legacy HD Remastered. Ouais. Parce que lui, on a un peu de visu dessus, vu qu'il est sorti. Au Japon, le 1er février, donc les tests sont déjà tombés depuis un bon moment. Les Américains sont dessus depuis un petit moment aussi. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un JRPG très axé combat, si j'ai bien compris. C'est même un dungeon crawler, hein, oui. Qui a un 63 sur OpenCritic. Voilà. Alors, puis en plus, à l'origine, en fait, oui, effectivement, il est sorti il y a quelques mois au Japon et un ou deux mois aux États-Unis, mais c'est un jeu 3DS. Qui ressort juste un petit peu lifté, hein. Alors c'est vrai que quand il était sorti sur 3DS, il avait fait un peu de bruit parce que c'est comme beaucoup de jeux qui sortent de chez c'est du Nice America, ça, mais je sais pas qui est-ce qu'il y a derrière. C'est For You. Ça fait partie de ces jeux For You où ils vont toujours embaucher 2-3 noms prestigieux
du JRPG japonais mais qui n'ont rien foutu depuis 20 ans. Mais c'est quand même un gars qui a créé 3 personnages sur Final Fantasy VI, donc t'es là, ouh. Voilà, alors retenez ce que je suis en train de vous dire pour Reinatis, hein, qui sort cette année, hein, je vous ferai sans doute le même discours à la fin de l'année. Mais voilà ce qu'était The Legend of Heroes, The Legend of Legacy, pardon. Legacy, les, vois, l'un des titres les plus magnifiques de tous, hein, franchement. C'est clair. La légende de l'héritage. La légende de l'héritage. Mais bon, donc 63 Metacritic pour la version remaster, sachant que le jeu de base avait 67. Oui, ça se tient. C'est vraiment, on est entre le jeu de niche et le jeu vraiment pas terrible en fait. C'est-à-dire que de toutes les reviews, parce que j'ai lu un paquet de reviews, et parce que c'était rigolo, le mot qui ressort presque à chaque fois, c'est serviceable en anglais. En gros, c'est ça fait le taf. Mais genre vraiment serviceable, ouais, c'est ça fait le taf version minimum quoi. Ouais, voilà, faut pas avoir des grandes attentes, hein. J'ai vu une review positive, mais je l'ai trouvée assez pertinente, qui parlait de Saga Frontier, qui comparait le jeu à un Saga Frontier dans le sens où c'est un jeu qui est assez exigeant dans ses combats. Oui. Y a un système de leveling qui est un peu particulier. Alors c'est pas celui de Saga Frontier, mais voilà. Et que ça fait partie de ces jeux un peu rugueux que certains peuvent aimer parce que juste en fait tu te casses les dents sur un système que tu dois découvrir par toi-même et qui te fait pas de cadeau. Donc si vous êtes de ceux-là, je vous le conseillerais quand même pas, mais on jouer à Dark Souls. Oui, voilà, typiquement. Non, effectivement, vous sinon, avez raison. Dans le chat, il est pas traduit. Il sort qu'en anglais. Il est qu'en anglais. Il est qu'en anglais. Voilà. Et par contre, il est à 50 euros. Voilà, c'est ça. Il est plein pot. Il est à 50 euros. Et si vous voulez, il y a même un petit DLC avec des items de soins. Payant. Alors 2 dollars, je sais pas. Ouais, ah oui, un DLC payant, ouais. Il y a tout le package. Ah, il y a la totale. Donc, voilà. Mais, comme toujours avec Nice America, vous avez quand même une version physique qui sera vendue au même prix, donc c'est-à-dire 50 euros, qui a toujours des petits bonus. Moi, j'aime bien ce qu'ils font quand même là-dessus, Nissa, où vous aurez toujours l'OST digital à télécharger, puis toujours un petit, y a un petit bonus avec, je sais pas ce que c'est, un petit livre d'artwork de 20 pages, ou un petit poster. Voilà, il y a toujours un petit truc en plus qui est quand même assez appréciable. Yes. Voilà pour The Legends of Legacy. On va dire que du bien de tous les jeux cette semaine, je sens. C'est la semaine de l'éclate. C'est la soirée anti-hype. Si vous voulez ne pas être hypé, c'est chez nous que ça voilà. Se passe. Et donc le dernier jeu, bah celui-là vous le connaissez tous, hein, ouais. Le dernier jeu. Donc là on est bien chez Nintendo, c'est Princess Peach Showtime. Qui sort ce vendredi aussi. C'est le jeu développé par Goodfield, donc pour ceux qui seraient passés à côté de l'info. Goodfield, c'est ceux qui ont fait Yoshi Crafted World, qui ont fait Kirby et Epic Yarn, des jeux très accessibles. Accessibles. Très accessibles. Chiant, oui, aussi. Désolé. Voilà. J'en connais que c'est des jeux qui m'endorment, pour faire simple. C'est vraiment à destination des enfants. Mais moi, j'ai aucun problème avec les jeux à destination des enfants. Et c'est vrai que un Kirby Epic Yarn, j'ai pas réussi. En fait, ça m'a pas accroché typiquement. C'est pas qu'une histoire d'accessibilité. En fait, c'est une histoire de fun, tout simplement, et de renouvellement de gameplay, je pense. Ouais. Donc j'ai un peu peur, sachant que il y a une démo disponible. Il y a deux choses qui ressortent de cette démo. La première, c'est que moi, j'ai passé du bon temps vraiment sur cette démo, mais j'ai peur que le jeu soit tout le temps de cette même envergure, en fait, qu'il n'y ait jamais de moment où tu vas de waouh, en fait. À aucun moment dans le jeu. C'est ça, en fait, le problème, je trouve, de Goodfield. C'est que c'est toujours un petit peu linéaire, on va dire. C'est l'autre problème, c'est le framerate. Ah ouais, c'était pas stable? C'est pas que c'est pas stable, c'est que c'est pas fluide en fait. C'est pas très fluide, c'est pas. Ouais. Alors, bon, visuellement, il est plutôt propre. Moi, j'ai vu des trailers, je me suis dit quand même, ça reste propre. Mm-mm. Alors, Goodfield, pourtant, ils avaient fait un bon boulot. Moi, je trouve que le Yoshi est plutôt très joli quand il est sorti. Oui. En plus, le Yoshi était déjà fait sous Unreal Engine 4, comme c'est le cas de ce Princess Peach. Donc, bon, ils maîtrisent un peu leur moteur quand même. Mm-mm. Mais oui, non, si le framerate il tient pas la route, il y a un problème parce que. Ça reste un jeu 100% Switch. Ça reste une démo. Attention, ça reste une démo. Ouais. On juge pas ça sur une démo. Espérons. Mais c'est à noter quand même. Ouais. Voilà, c'est un.
C'est à voir une fois, enfin les premiers retours presse et tout, faudra regarder ça parce que effectivement, c'était pas non plus horrible. Hein. Attention, hein, quand je dis ça, c'était pas horrible, mais c'est vrai que pour un jeu Nintendo, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Bah, Yastani, pendant que tu le disais, qu'il écrivait aussi dans le chat, et c'est pas super fluide. Donc oui, effectivement. Alors moi, je me suis pas du tout lancé dans la démo, mais 30 FPS, oui, j'imagine que ça sera du 30, mais donc du 30 mouif, quoi. Oui, parce que moi je joue quasiment tout le temps en 30 FPS de toute façon à tous mes jeux, et quand c'est fluide tu le vois peut-être au début si tu viens d'un jeu en 60 FPS, mais au bout de 10 secondes c'est fini en fait, et si c'est fluide, enfin si c'est un FPS constant, tu l'oublies ce 30 FPS et tu profites juste du truc, quoi. C'est le cas de FF7 Rebirth, là, que j'ai fait en 30 FPS, le jeu avant lui, Banishers, que j'ai fait en 30 FPS aussi. Ouais, un 30 donc, bien stable, ça se passe bien. Après, c'est vrai que sur certains genres de jeux, bon, le 60 apporte quelque chose, mais il faut pas être toujours omnibulé par le 60. Je suis pas d'accord. Pas du tout. Ah ouais. Alors, franchement, non. Certains jeux bien rapides, c'est un confort. C'est un confort, ça c'est indéniable, mais que ce soit nécessaire, je trouve ça absolument faux. Ah non, alors absolument nécessaire, non. Très clairement, non. Mais un vrai... Il y a des jeux où ça sert à rien. Typiquement, récemment, Unicorn Overlord, il tourne à 60. Oui, pourquoi pas. Voilà, franchement. Et en plus, moi je n'ai pas vu la différence et je n'ai pas eu pris le temps d'ailleurs. J'ai téléchargé la démo sur PS5 pour voir la différence. On m'a dit, si, visuellement, il est quand même mieux sur PS5. Bon, je voulais regarder la tranche du jeu sur PS5, mais voilà, il aurait été à 30 sur Switch. On s'en fout. Je vais rebondir sur ce que dit Stani, sur les jeux compétitifs. Oui. Ça peut. Je veux bien entendre que 60 FPS, tu vois plus de choses plus rapidement. Oui. Les pros le disent, c'est pas moi qui vais les contredire. Quand c'est pas du compétitif, je suis désolé. C'est toujours pour ces jeux qui sont hyper exigeants. Plus t'as de frames, plus tu peux réagir à la frame près. Mais là, on est en train de parler d'un 1/30 de seconde ou 1/60 de seconde. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que moi, bon, j'avoue, les Mario, typiquement les Mario qui restent quand même des platformers 3D, mais assez nerveux. Et je m'étais rendu compte justement quand tu passes d'un vieux Mario 3D, Sunshine ou Mario 64 qui sont à 30 FPS et les Galaxy qui commencent à être à 60 et les suivants, il y a un truc. Il y a un truc dans la nervosité. Ah oui, oui. Mais il y a un truc. Oui, mais pour moi, c'est vrai, ça reste vraiment du confort. Quoi. Mais c'est du confort. C'est un petit plus. Pas ça qui va rendre un jeu génial ou un jeu mauvais. Très clairement. Ou Dark Souls sur Switch, il est à 30. Et de toute façon, Dark Souls, typiquement, ça fait partie. Jeu exigeant, mais pas très rapide. Et ben voilà, je vais faire un superbe sondage parce que je vous annonce d'ores et déjà que le calendrier des sorties est fini. Ouais. Alors on peut papoter vite fait de Dragon's Dogma. Qui va jouer à Dragon's Dogma? J'espère que tu le mets dans le mets pas MLB The Show 2024 parce que je pense qu'il y a très peu d'Américains qui nous regardent et qu'il y a qu'eux qui jouent à ça. Ça me marche. Alors j'ai mis Dragon's Dogma 2 et l'autre c'était Rise of the Ronin. Ouais, exactement. Donc pour ceux qui savent pas, Rise of the Ronin c'est le jeu de la Team Ninja. Je sais jamais si c'est ça, c'est Team Ninja. Ouais. Qui ont fait les Nioh, les trucs comme ça. C'est des jeux auxquels moi j'ai jamais accroché. Malgré mon amour pour les Souls, parce que c'est finalement assez différent des Souls. Mais voilà, donc leur dernier c'était Wolong, si je dis pas de bêtises. Maintenant que tu le dis, oui, j'aurais eu du mal à le sortir, mais oui, bien sûr. Oui. Donc voilà. Et celui-là, il est en monde ouvert. Ouais. Visiblement. Il est en monde ouvert, mais alors le gros problème de la Team Ninja, c'est que c'est des gens qui ont jamais été très très bons sur la technique. C'est un peu les Game Freak, mais les Game Freak ont quand même peut-être un peu plus de temps et de moyens, j'en sais rien. Mais ils ont toujours été un peu à la rue sur la technique, et comme là c'est la première fois qu'ils sont sur un gros monde ouvert, a priori quand même la technique a des sérieux problèmes. Et je suis le premier à dire, parce que j'ai vu pas mal de gens critiquer, genre « Oh, c'est des graphismes PS3 !» Bon, franchement, voilà. Déjà, c'est pas des graphismes PS3. Par contre, oui, si le framerate fait le yo-yo, et j'ai vu je sais pas si c'était Digital Foundry ou je sais plus chez qui c'était, effectivement, tu vois le framerate... De toute façon, les retours, les vrais retours qu'il faudra attendre, parce que je vois qu'il y a quelques retours sur... Dragon's Dogma aussi, c'est demain l'embargo pour Dragon's Dogma 2 et c'est jeudi pour Rise of the Ronin. Regardez plus de trucs que juste ce que dit Exerve. Je dis pas ça pour lui taper dessus, j'aime beaucoup le travail d'Exerve.
Mais typiquement sur 2023, j'ai pas été d'accord avec lui une seule fois. Ah, toi aussi? Incroyable, incroyable. Je suis pareil. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait, mais oui, là, c'est vrai que j'ai Exerve, bah, je suis comme toi. Désaccord total. Ouais, bah, je suis comme toi parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais cherché le buzz. C'est pas un youtubeur à buzz comme d'autres qu'on connaît et qu'on n'a pas spécialement envie de citer. Mais alors, moi, ça date pas que de 2023. J'ai rarement été d'accord avec ses tests, même à l'époque où il était chez Gamekult. C'était le seul testeur de Gamekult où à chaque fois que je le voyais, je me disais, je lis pas parce que c'est pas. On n'a pas le même ressenti. Voilà. Et typiquement, comme il était chez Gamekult, il cherchait pas à faire le buzz en essayant d'être à l'envers de l'avis général. Tu vois, c'est son avis, on sent pas les jeux pareils, c'est tout. Ghost of Tsushima, non, c'est pas Team Ninja, c'est Oui, pas du tout, ouais. Non, c'est Sucker Sucker Punch. Punch. Ouais, Sucker Punch. Donc, non, Ouais, ça c'est donc chez Sony, ça. moi je suis très attiré par Dragon's Dogma 2 parce que j'ai pas fait le 1 et que je sais que c'est un RPG assez unique en son genre. Et en fait, je suis très curieux surtout de voir ce que ça donne. Je pense que ça sera vraiment pas un jeu pour tout le monde, en tout cas de ce qui est dit. Sans fast travel, enfin, il y a plein de trucs qui te font sentir que ça sera un jeu vraiment sans concession. Et moi, j'aime ça, les jeux sans concession. Donc, à voir si ça me chope ou pas, c'est pas sûr. Oui. Et alors, Project Zero, non, c'est Tecmo. C'est Tecmo. Enfin, c'est quoi Tecmo? Mais alors, pour moi, c'est pas ce studio qui est derrière. Mais je sais plus quel studio est derrière Project Zero. Mais bref. Bref, bref, bref. Voilà, bah, le sondage est lancé. Mais oui, de toute façon, Dragon's Dogma 1, c'est marrant parce que tu vas regarder une vidéo de nostalgique, je vais y arriver. Il adore, par contre, tu regardes une vidéo de je sais pas qui, mais voilà, il est très clivant, le premier Dragon's Dogma. Et je pense que le 2 sera pareil. Et je C'est pas pense que le un 2 jeu sera pareil. qui va avoir un métacritique de ouf ou voilà. C'est un jeu auquel il va falloir. Ça sera un jeu pour ceux qui aiment ce genre de jeu, quoi. Ouais, et c'est vrai que quand ils ont annoncé le 2, il y a eu un énorme buzz, parce que tout le monde imaginait que ça allait être le 1, mais peut-être beaucoup plus accueillant. Et a priori, non. C'est C'est le peut-être l'inverse. 1 en toujours aussi rugueux. Et je pense qu'ils n'ont pas essayé d'aller chercher forcément le grand public. Mais voilà. Mais voilà. Et pourtant, il est top. Non, non, mais il y a beaucoup de personnes qui l'aiment beaucoup, hein, qui l'aiment beaucoup, beaucoup le 1. Faites le 1, il est pas cher. Oui, le 1, il est sur Switch. Le portage est d'ailleurs pas trop mal. Et il est souvent à 5 euros. Voilà. Ouais, alors si jamais vous avez l'occasion de jouer au Oui. 2, de ce que j'ai compris quand même, le 2 est presque un reboot du 1. Carrément, Donc oui. à moins que les critiques commencent à vraiment le descendre, je pense que ça vaut le coup d'attendre. Un petit Bon, peu. cela dit, le 1 est souvent à 5 euros, donc effectivement, ça peut valoir le coup aussi. Hein. Et puis si vous avez qu'une Switch, bah vous savez quoi faire. Exactement. Mais comme j'ai vu les notes pour FF7 Rebirth, maintenant j'y crois plus à cette théorie, comme quoi ceux qui nous regardent, ils ont qu'une Switch. Tout à fait. Ah ouais. Le FF7 Rebirth qui passait devant je sais plus quel autre jeu que j'avais mis à côté. Non, non, j'ai très mal pris, sachez-le. Eh bien, écoute, je vais immédiatement mettre fin au sondage parce que, alors là, je suis encore plus surpris. Parce que dans le cas de Rebirth, j'étais sûr qu'il allait passer devant le jeu indé que tu avais super défendu le soir même de l'émission, mais la semaine prochaine, tu Et avais qui dit était nul en qu'il plus. était nul. Et là, alors, je suis très surpris de voir premier du sondage Dragon's Dogma 2, 48%. Et l'exclusivité Nintendo, après c'est Switch qui est derrière avec 35%. Voilà, et ben non, ben je suis relativement surpris, mais ça s'entend. Je crois vraiment qu'il faut qu'on transforme la chaîne en 100% PS5. Oh non, Hein. non. Non, je rigole. Non. Je rigole. Je l'aime, ma Switch. Mais oui, ben Même on est s'il n'y a pas pareil. Dragon's Dogma 2 dessus. Alors je l'aime, mais elle prend un peu plus la poussière. Enfin, elle prend pas la poussière, bah, ne serait-ce pour Non. Unicorn en ce moment. Mais je me rends quand même compte, sur ces 6 derniers mois, quel fonctionnement qu'avant. Oui, mais t'as eu une PS5 dans ces 6 derniers mois, donc c'est normal. Oui! Alors oui, mais en même temps, avant, j'avais un PC qui pouvait quand même faire tourner la plupart des jeux. Ouais, non, enfin, pour moi, la Switch reste toujours ma console principale. Donc, s'il y a des jeux qui m'intéressent sur Switch, je les prends. Si j'ai commencé à faire fonctionner des jeux sur PS5, bah, typiquement, quand j'ai rattrapé un peu mon backlog PS5 en décembre-janvier avec Spider-Man 2 et Alan Wake 2, c'est parce que j'avais rien sur Switch à ce moment-là, quoi. J'avais rien. Rien du tout.
Bref. Il y aura des QTE sur la chaîne 100% PS5, j'espère. Oui, et puis il y aura même une version DLC Pro. À 699,99€. Mais attention, superbe promotion de 150€ en ce moment. Donc voilà. Gloire à... Mais oui, gloire à la Switch. Pour une fin de vie, c'est normal. Tout à fait. Bon, on parlera peut-être un petit peu de la Switch en fin de soirée. Une chaîne 100% Stadia. Yes. Oula, mon Dieu. Bon. Alors là. Sans la bon chaîne. Courage. Hein. Voilà. Bonjour, adieu, on ferme la chaîne. Vous savez, c'est ces vidéos. J'arrête YouTube, je reprends YouTube, j'arrête YouTube. Bon, merci à tous. Et bon, nous, on va continuer l'émission et on va passer à nos jeux du moment. A tout de suite. Le fameux à quoi qu'on joue. Bah écoute, Toon, je vais peut-être te laisser commencer parce que j'ai une idée de sondage tout d'un coup. Ok, ça marche. Puis en plus, j'en ai beaucoup. Oui, toi, t'en as beaucoup. Moi, j'en ai peu. Voilà, peu. Ouais. Dis-moi lequel tu veux. Ouais. Je vais commencer par High Water. Yes, parce que je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc autant vous dire ce que j'en ai pensé. Rapidement, parce que j'y ai joué 30 minutes. Vous allez savoir pourquoi. Je pense qu'on est dans cette belle série. Aïe, 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 aïe. La douche. On l'a bien vendu celui-là la semaine dernière. Mais oui, et pour être honnête, les quelques premières minutes de jeu sont fantastiques. On est sur notre bateau, sur l'eau. Il y a cette radio de Nostalgia from Mars qui démarre, donc avec des très très chouettes morceaux. Et là, on a le jeu, en fait, instantanément, il te fait une promesse qu'il détruit quelques minutes plus tard. C'est terrible, c'est terrible. Il y a une véritable ambiance. Il y a vraiment un truc en termes de direction artistique. Sauf qu'après, sur la structure, le jeu devient très pénible. C'est-à-dire qu'on va d'île en île. Donc en fait, tu fais 5 mètres, tu t'arrêtes avec ton bateau. T'explores une zone avec caméra fixe. C'est pas très précis, c'est pas terrible. Et tu fais le pire, c'est les bastons en pseudo-tactical. Ouais, tactique, ouais. Qui sont molles, mais molles. Oh. C'est lent, c'est long, c'est... Non, aucun game feel. Et encore, enfin, t'as pas forcément censé avoir un game feel dans du tactical, parce que c'est des animations. Ouais, mais même les animations sont molles, ça donne pas... Enfin, c'est tout est mou, en fait. Et en plus de ça, j'ai trouvé des dialogues mauvais. Le truc qui aurait pu me choper, c'est l'histoire. Et en fait, les dialogues sont mauvais, en plus d'être mal traduits. Ah non, c'est... Il y a que la DA qui va. Je suis très très déçu. Et la musique. Bon, je ne sais pas à quel point la musique est fun, mais c'est vrai qu'il y avait une musique sur le trailer, et là, sur ce trailer-là, il y a comme une musique qui est très sympa, mais... Bon, bah dommage. Non, mais la musique est génialissime. La musique et même l'ambiance, enfin l'atmosphère est fantastique aussi, hein. C'est très très joli. Mais c'est que ça, malheureusement. Ouais. C'est que ça. Donc ouais, grosse déception. Ouais. Est-ce que tu veux que j'enchaîne avec un autre? Vas-y. Je vais parler de Mediterranea Inferno. Comme ça, allez, je balaye un petit peu les déceptions. les méga rocos qu'on vous a fait il y a quelques semaines. Parce que celui-là aussi... Alors, ça, c'est pas une déception, celui-là. Ça, c'est juste le jeu sur lequel je me suis jamais senti aussi boomer qu'en jouant à ce jeu vidéo. C'était... Waouh. Alors... Le jeu, on va commencer par le positif, hein, le jeu est absolument magnifique. En termes de direction, de mise en scène, de DA, c'est juste un régal pour les yeux. Y a plein d'idées et tout, enfin, tu sens que c'est hyper travaillé. C'est un visual novel, je ne l'ai pas dit. C'est un visual novel. Ça m'a même fait penser parfois à du Sayonara Wild Earth dans l'esthétique. Pas dans le gameplay forcément, mais ouais, dans l'esthétique, ça m'a fait penser à ça. Mais en fait, c'est un jeu qui n'est pas du tout à ma destination. C'est-à-dire que le sujet, c'est les retombées du confinement sur un groupe de jeunes. Ah, donc, ouais. Quand je dis jeunes, c'est la vingtaine. Mm-hmm. Gays. D'accord. Oui, c'est quand même assez ciblé pour t'identifier à ces personnages. J'ai aucun problème avec la communauté gay du tout. Hein. Ouais, Du coup, en fait, ça ne me touche pas du tout, parce qu'on est vraiment dans ce genre de problématique. Et je le trouve pas... alors, c'est pas grave en soi, hein, mais je le trouve pas... comment dire, il m'a pas chopé, du coup.
Là où d'autres jeux ont réussi à le faire, hein, d'autres jeux qui traitent des mêmes thématiques l'ont réussi. Donc, malgré tout, j'ai trouvé le jeu très bien écrit, hein, mais en fait, si tu veux, on est vraiment dans ce paradigme où... donc là, ça parlait de confinement et de jeunesse volée. Ça parle un peu de la jeunesse volée par le confinement. Et, c'est peut-être ça, donc, limite, où on se sent le plus déconnecté, quoi. Ouais. Parce qu'on est plus jeune, quoi. Ben c'est ça, et moi j'ai vécu le confinement avec des enfants à la maison, en train de bosser et avoir les gamins à côté. J'ai vécu un confinement assez, voilà, c'était très compliqué. J'ai jamais été confiné, moi. J'allais bosser, j'étais tout seul sur la nationale, je me rappellerai encore toujours le 15 mars 2020, tout seul dans ma bagnole. Y'a personne. Mais donc du coup, moi aussi, enfin, je veux dire, mon confinement a été très compliqué, hein, moralement, tout ça. Je vois bien que chez eux, ça a été au moins aussi terrible. Oui. Je dis bien au moins, parce que visiblement, ça l'a été plus. Mais du coup, ça rentre en conflit avec ce que moi j'ai vécu. Enfin, c'est pas du tout. Voilà. Et puis, ça parle de boîtes de nuit, de trucs. En fait, ça parle d'une jeunesse qu'ils auraient rêvé, enfin, la jeunesse dont ils rêvaient, qui, même moi, même quand j'étais jeune, ne me faisait pas rêver. Enfin, bref, je suis complètement passé à côté. Pourtant, leurs trois personnages sont tous différents et j'ai accroché avec aucun d'eux. Parce que généralement, c'est ça. Quand tu fais trois personnages, t'en as peut-être un où tu vas plus t'identifier. Là, aucun. Donc, ça n'a pas marché. Mais ça reste, malgré tout, je pense, un bon jeu. Mais voilà, je suis passé à côté. T'es pas la cible, quoi, ouais. Complètement. Alors, je me rassure, au final, j'ai dû croiser deux voitures sur la route, hein, qui étaient Jastobart et Reorid, hein, puisqu'on était trois à aller bosser le 15 mars. Non, bah ouais, dommage. Enfin, dommage ou pas dommage. Mais en tout cas, c'est très très bien de faire un retour sur Mediterranean Inferno. Hein, c'est ça. C'est ça. Puisque, bah oui, ça vaut quand même le coup de dire que oui, c'est un visual novel, mais oui, il y a beaucoup de jeux où on n'est pas la cible. Typiquement, Xenoblade 3 sur Toon, ça ne marche pas. Parce qu'il aime pas les femmes chats. Voilà. Et bien... c'est pas les mêmes ambitions narratives, on va dire. Hein, chacun ses goûts. Même pas la tendresse. Non, mais oui. Oh merde. Ok, non, mais tout à fait. Non, mais ça, c'est parfaitement compréhensible. Allez, j'arrête tout de suite le sondage que j'avais lancé sur quelle console avez-vous. Voilà, parce que je me suis dit, tiens. Eh bien, alors la réponse qui revient le plus, effectivement, c'est j'ai qu'une Switch quand même à 37%, donc un gros tiers. J'ai une Switch et un PC, 25%. Et alors après, bah, les deux autres réponses, mais qui se complètent en réalité, donc ça fait quand même 35% si je compte bien, donc plus d'un tiers pourtant, tu vois, plus d'un tiers, et la PS5 arrive toujours première, enfin, on va dire en top deux fois là sur les sondages des jeux du moment. J'ai beaucoup de consoles, hein, ça voulait dire ça, 22%, et j'ai une Switch et une PS5, 13%. Évidemment, je ne suis pas un anti-Xbox, mais j'avais pas assez de possibilités. Pour mettre j'ai une Switch et une Xbox, et puis souvent j'ai tendance à dire que Xbox c'est Game Pass, donc Game Pass c'est PC, enfin voilà, vous m'avez compris. Animal Crossing a sauvé mon confinement. J'ai pas du tout joué à Animal Crossing. Ok, oh Mr. Warmoth, alors là tu me parles vraiment beaucoup. Alors Guild Wars 2, j'y avais joué bien avant le confinement, mais alors Guild Wars 2, wow, fou. Bah, c'est tellement des centaines d'heures là-dessus. Eh bien, alors moi, bah, je vais faire un petit entre-deux, puisque je vais reparler d'un jeu auquel j'ai déjà parlé. Je parlerai de Unicorn à la fin, je pense. Je vais revenir sur un jeu, parce que voilà, donc j'allais dire, j'ai compris le jeu, mais c'est pas que je l'ai compris. Hein. On me l'a fait comprendre, voilà. Donc, c'est-à-dire que quand je vous ai parlé de Tunic il y a 3 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, c'était la semaine dernière, non ? Ah non, oula, non. Non ? Oh non, au moins, bah c'était avec Mylène, c'était il y a au moins 2 semaines. Ah oui, c'est vrai, exact. Moi j'ai dit que Tunic est un bon jeu, hein, je vous rassure, hein, j'ai jamais dit que c'était une daube. Hein. J'ai dit que je me suis amusé avec Tunic, mais j'étais très très loin de reconnaître le chef-d'œuvre ultime qui est décrit par beaucoup de personnes. Beaucoup de monde dans le chat, et même, bah non, pas toi tout, enfin beaucoup de monde dans le chat m'a dit « Mais regarde la vidéo de Great Review !» Et c'est vrai que la vidéo de Great Review, typiquement j'avais regardé celle d'Outer Wilds, qui, quand tu as surkiffé le jeu, te file des frissons à mort. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais écouter la vidéo de Tunic. Et c'est marrant parce que la vidéo de Tunic par Great Review, eh bien, je me suis fait chier sur sa vidéo pendant la première moitié.
où il décrit la première moitié du jeu, et j'ai trouvé ça d'ailleurs très très long comme vidéo venant de sa part, parce que d'habitude il arrive à m'entraîner sur n'importe quel sujet, même des sujets comme le cinéma, des trucs comme ça que je maîtrise beaucoup moins. Et vraiment sa première moitié de vidéo j'ai trouvé très lourde. Et puis après il parle des deux, je vais pas les spoiler, des deux secrets majeurs de Tunic qui vont se débloquer dans la seconde moitié du jeu et qui évidemment donnent un tout autre sens au jeu. D'ailleurs c'est un jeu qui est totalement différent je pense, même si c'est le même jeu, hein, c'est la même map, c'est le même petit renard, c'est le même gameplay, mais on voit vraiment autre chose. Et autant je reconnais l'incroyable génie, mais vraiment là je suis entièrement d'accord, parce que quand on m'a mis ça dans, j'allais dire sous les yeux, mais déjà dans les oreilles et ensuite sous les yeux, parce que évidemment quand j'ai entendu sa vidéo j'ai relancé le jeu derrière évidemment, c'est incroyable. Il y a un truc, tu t'es dit, comme tu dois savoir ça par cœur, le créateur du jeu, j'ai oublié son nom. Oula, Ando, non, je ne sais pas par cœur. Qui expliquait très très bien que pour lui, un secret, ce n'est pas un point, c'est une ligne, et c'est vraiment très très bien expliqué. C'est-à-dire qu'un secret, ce n'est pas un endroit du jeu, c'est quelque chose qui va traverser le jeu. Et ça, c'est assez incroyable. Et je reconnais l'incroyable génie de ce créateur de jeu qui a planqué deux formidables énigmes dedans, mais mais voilà, c'est... Ça me suffit, arrête-toi voilà. Ah c'est non, bien. Mais ça, je le reconnais. Et typiquement, je lui redonnerai sa chance. Le prochain jeu qu'il fera, je le ferai. Soul Dice, merci. Le prochain jeu qu'il fera, je le ferai. Parce que vraiment, oui, c'est très très fort. Mais voilà, après, je reconnais, bah, comme tu l'as très bien dit, c'est un jeu qui est jusqu'au boutisme, à mort, au point, je trouve, d'avoir créé une sorte d'action RPG sur les 15 premières heures qui est bien sans plus. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui... Toi, bah, on en a parlé, Toon, toi t'as adoré. Moi, je trouve que cet action RPG, pendant les 15 premières heures, il est bien sans plus. Pour vraiment proposer son jeu sur la deuxième moitié, qui dure encore plus de 15 heures, j'imagine. Et typiquement, j'ai pensé à un truc, je me suis dit, mais mince, si on avait testé Tunic sur la chaîne, imagine, t'as le jeu qui sort. T'as le code en avance, tu sais pas ce qui se passe derrière. Tu vas le tester quand tu l'as fini, tu sais pas ce qui se passe derrière. Tu dis, ouais, finir le manuel, OSEF, quoi, je sors mon test, mon jeu il est fini, j'ai pas besoin de faire le 100%. Et en fait, le jeu, tu l'as pas du tout fait, quoi. C'est du Nier Automata dans l'idée, Le Tunic, c'est dans une idée de gameplay, Nier Automata, c'est dans une idée, narrative. Alors, je t'arrête, c'est un comparatif super intéressant. Parce que c'est vrai que Nier Automata, c'est un action RPG très moyen, lui aussi. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Je suis mille fois d'accord. Nier Automata, c'est un action RPG très moyen plus. Non, c'est très moyen. Bon, voilà, ça, c'est les goûts, c'est les couleurs. C'est pas ouf, quoi, le gameplay, c'est très... Bon, bref. Oui, je suis d'accord. Sur le gameplay, c'est très moyen, tout à fait. Mais l'univers m'avait déjà pas mal accroché sur la première run. Là où l'univers de Tunic n'a pas réussi à m'accrocher sur la première run. C'est là où nos avis sont totalement à l'opposé. Mais ouais, je sais, mais c'est normal, et puis il en faut pour tous. Oui, exactement. Donc voilà, c'est ça Tunic, c'est ça, c'est jusqu'au boutiste à mort. Donc c'est une bonne chose que j'ai regardé cette vidéo, parce que je comprends, je vous comprends maintenant, mais je comprends aussi le fait que le jeu est divisé, le fait que le jeu n'est pas forcément un énorme score métacritique, même si j'imagine que tout le monde l'a testé en ayant juste fait la première fin, genre la suite on s'en fout. et voilà, c'était mon petit arc de la rédemption, mais sans trop entrer dans la rédemption, parce que pour autant, je me suis pas amusé à le finir ou quoi que ce soit. J'ai écouté ce qui cachait, je fais « Ah ouais, ok, bon, c'est un incroyable génie, c'est clair. Oh le putain, c'est très fort, mais voilà, c'est tout. » Voilà, je trouve que ta comparaison a plus de sens avec Nier Replicant, où on refait vraiment tout le temps la seconde moitié du jeu pour aller vers la vérité. Oui, je suis d'accord, Réorine. Ah non. Bah non, parce que ça reste un jeu à part entière. Enfin, Tunic, c'est enfin. Oui, mais en fait, tu refais ce côté. Tu refais dans Nier. Tu refais quelque chose. Ouais, mais t'es sur la même map. T'es sur la même map, mine de rien. Et c'est vrai que dans Nier Automata, plus t'avances dans les runs, plus il y a quand même des zones qui vont s'ouvrir. Alors que Nier Replicant, tu te retapes quand même très très souvent les mêmes zones. Mais je vois l'idée, c'est la même chose. Oui, enfin, bref. De toute façon, les jeux de Kotaro, que ce soit Replicant ou Automata, ils sont vraiment construits de la même façon. Eh ben, je te repasse la balle. Ouais, alors moi, je vais vous parler très rapidement de Splatoon 3. Ouais, je suis un peu à la bourre, désolé. En fait, alors c'est rigolo parce que de quelle façon je suis arrivé à jouer à Splatoon 3. Ma femme
s'est mise à Fortnite. Bon courage. Non, ah non, mais je suis absolument subjugué. Donc j'ai commencé, bah, du coup j'ai voulu jouer avec elle, hein. Donc ça a été assez sympa. Et j'ai eu une petite envie de multi qui est apparue, un peu moins de Fortnite parce que je suis pas non plus un grand fan du jeu. Et là je tombe sur Splatoon dans un magasin. Pourquoi pas, tu vois. Et du coup c'est parti. Et j'ai joué pas mal ces derniers jours, bah jusqu'à il y a quelques heures, à Splatoon 3. J'ai fait le mode solo, mais j'ai aussi pas mal tâté le mode multi. Je suis mauvais, je me fais éclater la tronche, mais c'est super fun. Et du coup, je serais ravi, si jamais sur Discord, de faire des parties avec vous, pour que vous m'appreniez un peu à jouer. Alors tu vois, j'étais très surpris parce que quand je savais que tu allais parler de Splatoon, hein, entre nous, me prépare à l'avance les vidéos sur lesquelles il va parler, donc je savais que tu allais parler de Splatoon, mais je pensais que tu allais parler du DLC, parce que, alors peut-être que pour faire le DLC, il faut peut-être déjà faire le jeu avant, mais comme le DLC est un roguelite, je me disais, tiens, Toon s'est dit, tiens, je vais me lancer sur un roguelite. Mais non, donc non, t'as fait vraiment le jeu multijoueur, on va dire. Et t'as fait le solo ou pas du tout? Ou que vraiment le multi? J'ai fini le mode solo, très sympa. Bah ouais, il est bien, ouais. Et j'ai tâtonné, j'ai touché du doigt le mode roguelite, qui m'a pas paru fantastique, mais je m'y attendais. Donc non, c'est vraiment pour le multi que j'y suis allé, et je compte bien continuer à faire quelques parties, malgré mon niveau. Ben voilà, t'as déjà 2-3 propositions dans le chat. T'as Judark qui veut bien jouer avec toi. Yes. Voilà. Ouais. Donc juste une petite note, hein, pour dire que je m'y attendais un peu, mais le gameplay c'est du bonheur. Ouais. C'est dur, ah, mais ça, c'est oui. Dur bonheur. C'est ils arrivent à rendre ce gameplay projection de peinture fun. Ouais, c'est surtout quand tu te transformes en calamar. Oui, et calamar, tu fonces dans les flottes. Tu nages dans la flaque. Ouais, non, c'est. Puis c'est très réactif, quoi. Très, très rapidement, t'arrives quand même à faire des trucs. Et même si t'es un peu nul, bah, tu te dis, je repeins la zone de ma couleur. Comme ça, tu sais que tu contribues un petit peu au succès de l'équipe. Sans forcément défoncer les adversaires. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce jeu. Vraiment. Ouais. Pareil, j'ai pas assez joué, hein. je suis comme toi, enfin même tu vas peut-être y jouer plus que moi, mais ça fait typiquement partie de ces jeux très sympa. Yes, propositions, il y a que on peut être que 4, hein. Bah, écoute, t'en as déjà 3, hein. Yes, et ben voilà, ça fait une team. Voilà. Et du coup, on me pose la question, Splatoon supérieur à Fortnite, je suis pas du tout un fan des Battle Royale, je trouve ça très mou. Là où dans Splatoon, les matchs c'est 3 minutes, mais alors, c'est 3 minutes mais tellement intense, ça n'a rien à voir en fait, là t'es sur un truc très bourré d'adrénaline, alors que Fortnite tu passes le plus clair de ton temps à marcher en fait, à courir vers le centre, avec quelques bastons par-ci par-là. À camper un peu, à chercher des objets, parce qu'au début c'est surtout de la collecte d'objets pour essayer de gagner en puissance, alors que là... Sachant que Fortnite je joue pas en mode construction quand j'y joue. Ouais. Plus c'est là quand tu meurs dans Splatoon, tu repop très vite. C'est pas genre tu meurs dans Fortnite, bon bah voilà, fini, merci de revenir, de relancer notre partie. Quoi. Le Splatoon de Sony, donc tu dois vouloir parler de From Stars, merci. Tu vois, le truc m'a tellement marqué que voilà. Bah, je crois que personne n'y a joué ici. Hein, Et Square Enix, Splatmousse, je crois que Square Enix c'était pas, parce que c'est un jeu Square, hein, Formstars, vous n'étiez pas à fond dessus, et c'est très très malheureux à dire, parce qu'il est sorti dans l'indifférence la plus totale, et déjà plus personne n'en parle, donc un grand succès à tous les coups. Yes, est-ce que tu reprends la main et puis je terminerai après avec mon dernier jeu ou... Bah, écoute, si tu veux, je peux parler un petit peu d'Unicorn, Overlord. Alors, tiens, qu'est-ce que je vais mettre ça? Boum. Unicorn Overlord, bon bah il y a déjà mon premier avis. Alors c'est vrai que moi je fais les choses des fois un petit peu décalées, c'est-à-dire que j'ai écrit mon premier avis, j'avais 20-25 heures de jeu dans les pattes. Quand il est paru, parce qu'en réalité je l'ai écrit lundi dernier, enfin lundi, il y a 8 jours, pour un test que j'ai quand même publié que le samedi, parce que je tenais à ce qu'il sorte le samedi.
Le samedi, j'avais déjà beaucoup plus d'heures dans les pattes. Et aujourd'hui, j'ai 45 heures dans les pattes et je suis vraiment sur l'émission finale. Donc là, je suis level 35, 35 même plus, 35, 38, ça dépend de mes escouades. Donc j'y vois vraiment... J'allais dire beaucoup plus clair, non, parce qu'au final, je ne renie en rien aucune ligne de mon test ou de mon avis, mais qui aura été un test parce que j'étais quasi sûr de ce que j'annonçais. Et je ne change absolument pas d'avis. C'est un jeu qui est magistral. C'est un jeu qui a vraiment réussi, je ne sais pas comment, très difficile à dire, mais bref, une recette addictive à mort. Voilà, c'est addictif. Ça fait partie de ces quelques jeux où tu as tout le temps envie d'avancer, t'as tout le temps envie de reprendre ta console, t'as tout le temps envie de refaire, allez, juste un combat, juste une bataille, ah non mais là je vais juste un petit peu explorer pour renforcer mes affinités, pour ramasser des trucs. C'est un jeu qui propose beaucoup de choses, parce que c'est pas que du combat, mine de rien, tout l'aspect exploration, collecte, et j'allais dire construction, on construit rien, mais on rénove des villes, tout ça c'est quand même vachement intéressant dans la proposition du gameplay du jeu, et c'est une sorte de puzzle, d'éléments qui, pris individuellement, n'ont rien d'exceptionnel en soi, même s'il y a quand même quelques bonnes idées sur l'aspect combat, je trouve, mais qui, mis bout à bout, bah, ça marche super bien. Et ça marcherait même très bien, parce que oui, il y a la direction artistique VanillaWare, oui, il y a des musiques qui sont très sympas, oui, il y a plein de choses, évidemment, qui me parlent dans ce genre de jeu, mais même sans ça, ça marcherait très bien. Voilà, ça, c'est typiquement un combat. Comment ça se passe un combat? Alors là, c'est un tout petit combat. Hein. Je vais d'ailleurs mettre en pause. Il faut bien comprendre qu'il y a deux types de combats. Il y a ces combats-là où vraiment l'objectif, il est devant vous. Hein. Vous êtes le drapeau bleu. Il faut déplacer vos unités et capturer le drapeau rouge. Ça, c'est peut-être les trois quarts des combats, c'est ça. Et après, sinon, il y a des combats qui sont beaucoup plus grands, qui s'étalent quand même sur des zones beaucoup plus importantes, où il y aura des forts en cours de route, il y aura plusieurs points de plusieurs postes à capturer, et puis même, des fois, il va y avoir des événements, soit des événements climatiques, soit des trucs sur le terrain qui vont vous embêter, qui vont vous empêcher d'avancer. Il y a des moments où on va vous forcer de splitter vos escouades pour pas attaquer toujours au même endroit, va vraiment falloir attaquer 2-3 points différents. Mais la grande idée de ce jeu, c'est ça au final, c'est nos pions avancent et l'adversaire avance aussi pendant ce temps-là. Donc on est tout le temps en train de planifier, d'imaginer ce que va faire l'adversaire. C'est quasiment du RTS en temps réel. Hein. Et on déplace nos pions et on essaye de regarder. Alors ça, j'ai bien aimé parce qu'à un moment, j'ai vraiment joué en difficile. Et c'est là vraiment difficile que toute la stratégie du jeu prend vraiment tout son sens. Où il y a, je sais pas, 50 classes disponibles. C'est ma boule le nombre de classes disponibles. Et chaque classe a ses forces et faiblesses. Et il faut créer des escouades avec plusieurs classes à l'intérieur d'une escouade. Et comprendre les compositions des escouades adverses. Et se dire, ah tiens, l'adversaire il est comme ça. Ok, je vais balancer telle escouade sur lui parce que je sais que cette escouade, elle va lui défoncer la tronche. Par contre, celle-là, je ne vais pas la lancer dessus parce qu'elle va prendre trop cher. Et ça, tout le temps. Mais ça marche tellement bien. Quoi. Et ça marche super. Enfin, ça marche super bien. Associé à tout ça, bah, on l'a vu. Hein, je vais quand même essayer de vous montrer des moments un peu plus narratifs en termes de graphique que je trouve quand même beaucoup plus jolis. Voilà. Toutes ces séquences plus narratives, mais qui sont belles de ouf. Voilà. VanillaWare sait y faire. Hein. Sur la direction artistique. Et c'est marrant parce qu'on retrouve, typiquement sur le menu de sauvegarde, on retrouve leur style artistique, on retrouve leur musique, vraiment on retrouve la patte VanillaWare qui est vraiment unique. Vous lancez le menu de sauvegarde, vous savez que vous êtes sur un jeu VanillaWare. Il n'y a pas de débat, il n'y a aucune question là-dessus. Donc même sur l'animation des personnages aussi, vous savez que vous êtes chez VanillaWare. Il s'appelle Balatro, le chevalier, c'est rigolo. Baltro. Je crois pas qu'il y ait le A, ça doit être juste Baltro. Et puis c'est pas le chevalier, hein, c'est le mage. Ouais, Baltro, ouais, c'est ça. Enfin, ah, le mage noir, là, un peu chelou. Y a un défaut. Niveau histoire, c'est basique. Alors, c'est pas Fire Emblem Engage. Moi, j'ai vu des gens qui le comparent à Engage en disant ouais, l'histoire d'Engage était nulle. C'est nul comme Engage. Alors, je suis absolument pas d'accord parce que Engage. C'était nul parce que c'était vraiment concon, c'était écrit avec les pieds et c'était des personnages et des protagonistes mais qui parfois étaient plus agaçants qu'autre chose. Là c'est juste encéphalogramme plat,
Au moins, les personnages, ils vont pas t'énerver, mais l'histoire est pas passionnante, elle est simple, elle est classique. En fait, c'est très classique. Engage n'est pas classique, mais Engage, j'ai un petit peu raté dans son écriture. Ce jeu est juste très classique dans son histoire, très attendu. Voilà. C'est son seul défaut, mais en réalité, c'est un défaut moi que j'oublie toujours parce que j'en ai rien à foutre de l'histoire. J'ai pas besoin de l'histoire pour avancer dans le jeu. Je suis vraiment dans mon... C'est quelques rares jeux qui me poussent à être complétiste et à viser absolument le 100%. Si j'ai pas le 100%, je me sens pas bien. Où il faut que je fasse toutes les missions, que je fasse... Est-ce que tu skips les dialogues du coup ? Alors je les skip pas quand même. Je les laisse pas parler jusqu'au bout. Parce qu'il suffit d'appuyer sur un petit bouton, mais je lis les phrases. Les seuls trucs que je skip, c'est qu'il y a des dialogues d'affinité aussi, qu'on peut avoir, mais c'est beaucoup plus discret que dans un Fire Emblem. Parce qu'évidemment, il y a toute une mécanique de soutien à l'intérieur même des unités, enfin des escouades, et même les escouades entre elles. Donc ça vaut le coup de monter les soutiens entre les différents personnages. Mais effectivement, tous les dialogues de soutien, ça dégage. Hein. Ça, c'est vraiment les trucs que je dégage violemment. J'ai testé la démo, j'ai trouvé un peu complexe. Alors oui, Alban Billard, si c'est votre premier tactique, je vous le conseille pas en premier tactique. Prenez Fire Emblem Engage, quoi, c'est plus accessible en premier tactique, très 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 clairement. Mais si vous aimez le tactique, je pense que là vous faites un tel plaisir, tel plaisir. Il est plus compliqué qu'Engage. Oui, il est plus compliqué qu'Engage. C'est sûr. En termes de Engage, est beaucoup plus lisible. Sur toute la partie stratégie, Engage est beaucoup plus lisible. Là, on va passer plus de temps dans les menus, on va passer plus de temps à paramétrer ses unités, on va passer plus de temps à dire « Attends, j'ai telle arme qui donne telle compétence. » Donc, je vais... Parce qu'il y a tout un système de Gambit à la Final Fantasy XII, c'est-à-dire que tous nos personnages, on peut leur donner des ordres. C'est-à-dire que... Moi, c'est l'exemple que je prends dans le test parce que c'est le plus simple. C'est t'as un soigneur, ordre 1, tu soignes les unités qui sont quasi mourantes. « Ah, il n'y a personne qui est mourant dans mon team. » Ordre 2, tu soignes les unités qui ont perdu 20% de PV. Ah, il n'y a personne qui a... Toute la team pète la forme. Bon, bah tu vas glisser sur l'ordre 3 qui va être attaqué, mais attaque plutôt des ennemis faibles parce qu'avec ton bâton, tu vas rien faire. Ah, mais en fait, non, parce que tel bâton, il a une magie qui est puissante sur les unités cuirassées. Ah bah, attaque les unités cuirassées. Enfin, voilà, c'est tout un déroulement. Tu peux paramétrer chaque unité comme ça. Enfin, c'est un régal, mais il faut y mettre dans les menus, ça c'est clair. Donc voilà pour Unicorn Overlord. Ah oui, ça c'est Balatro qui n'a pas de trad française. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Ouais, je vais faire une. Je n'avais pas prévu, mais je vais parler très 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 vite fait de Balatro vu qu'on a le temps. Oui. Oui, j'ai fait quelques runs de Balatro. Oui, c'est génial. Non, j'ai pas envie de jouer à ça en ce moment, malheureusement. J'y joue sur PC, donc j'ai la trad française et elle est en bêta. Et on sait pourquoi. Donc attendez un petit peu, elle arrivera un jour sur Switch, une fois qu'elle sera nickel. Ok, et je réponds à une autre question que j'ai vue dans le chat. Le système de chronomètre n'est pas trop frustrant, et effectivement, toutes les missions sont chronométrées avec un game over. Alors le game over, il y a un truc magique qu'on peut récupérer un peu partout, c'est des cendres d'alicorne. On peut en récupérer plein dans le jeu, et c'est un peu cassé comme système, ce qui fait qu'une fois que le chronomètre tombe à zéro, on peut surcharger une charge de chronomètre, mais bon, on va dire que... Il y a un chronomètre et c'est hyper hyper important parce que c'est un jeu qui s'est rendu compte que si tu prépares trop tes escouades, c'est-à-dire que si tu avances vraiment en groupe avec tes 7-8 escouades les unes à côté des autres, parce que quand tu lances un combat, tu peux choisir quelle escouade va lancer le combat parmi celles qui sont les plus proches. Si tu avances vraiment très lentement, le jeu est très facile. Donc il faut le chronomètre pour que tu aies toujours une pression d'aller assez vite. Tu n'as jamais le temps de regrouper tes escouades, tu sais qu'il faut toujours quand même avancer. Donc non, le chronomètre est hyper, hyper important dans le gameplay du jeu. Sans chronomètre, ça marche pas. Voilà. C'est chronomètre temps ou c'est chronomètre de tour ? Temps. Temps. Ah, temps ? Alors temps... C'est-à-dire que le temps que tu passes à prendre des décisions est comptabilisé ? Non, parce qu'en fait, il y a énormément de pauses actives. Enfin, de pause active, de pause pendant lesquelles tu choisis tes unités, tu lances tes sorts, enfin voilà. Là, tant que tu es en pause, le temps passe pas. C'est comme un Baldur's Gate, tu sais où tu as ta pause, où tu places tes personnages et tu lances tes actions. Là, le temps s'arrête à ce moment-là. Mais c'est quand tout rebouge sur la map, le temps est découlé à ce moment-là. D'accord, ok. Ok, bon, est-ce que sur mon dernier jeu. Le dernier, tout à fait. Oh. Alors, là, on va finir sur un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur.
un coup de cœur, et d'ailleurs qui est vraiment partagé avec très peu de personnes, parce que le jeu s'est chopé un joli 60 en score. Ah ouais, ouais. Comme quoi, il ne faut jamais se fier totalement, en tout cas, au score métacritique. Donc, The Mobius Machine, alors c'est pas sur Switch, désolé, et je pense pas que ça le sera un jour. C'est un Metroid-like, et là j'insiste, Metroid-like, parce que il a rien de chez Castlevania. Et je pense que c'est le plus bel hommage qui a été fait à Super Metroid. C'est un régal. On a vraiment, en fait, tu sens vraiment que c'est un hommage à Super Metroid, mais avec toute la modernité qu'on a aujourd'hui en 2024, en fait. Alors attends, je reprends mes notes parce que je vais me perdre. Sinon, faut pas que je fasse ça. De quoi, en fait, il est très old school dans son absence totale d'indicateurs, c'est-à-dire que on se paume très souvent dans le jeu. Moi, j'aime ça. Beaucoup n'aiment pas. Je le sais. Il a zéro scénario. sa structure est extrêmement labyrinthique, enfin même tentaculaire, je dirais. Ouais. Alors pas labyrinthique, mais c'est le level design global. On a une petite vue sur la map. Le level design global est vraiment hyper bien fichu. Mais en termes de gameplay, on est vraiment sur un truc beaucoup plus moderne que les vieux Metroid. Heureusement, tu me diras. Tout simplement sur le plaisir, manettement, le plaisir de shooter sur tout ce qui bouge, ça marche vachement bien. C'est un peu Metroid qui aurait digéré Hollow Knight, en fait. Parce que oui, je l'ai pas dit, il y a pas mal de choses reprises de Hollow Knight. Notamment le système de cartes, où en fait il faut d'abord que tu trouves la carte d'une zone pour commencer à l'écrire sur ton... dans ton menu. J'aime beaucoup ça. Ah non, mais c'est toi qui as aimé Hollow Knight, toi qui aimes Metroid, ça pourrait vraiment te parler. Alors visuellement, vous avez vu, c'est plutôt très joli. Par contre, on va passer sur les défauts, parce qu'il y a des défauts, ils sont pas petits. Enfin, le jeu me les a complètement fait oublier, mais ils sont quand même présents. Ça manque beaucoup de variété dans les décors, malheureusement. Ça manque beaucoup de variété dans le bestiaire aussi. Et c'est un jeu où on fait beaucoup d'allers-retours. Beaucoup, beaucoup, parce qu'on se perd souvent. Donc ça peut devenir redondant. Moi, je l'ai pas ressenti. Enfin, je l'ai senti parce que je l'ai vu, tu vois. J'ai pas trouvé ça non plus repoussant pour autant, mais c'est là. Et l'OST qui est très très chouette, malheureusement, elle manque aussi de diversité. C'est-à-dire qu'on retombe assez souvent sur les mêmes morceaux. Moi, je les ai adorés, donc ça m'allait, mais voilà. Je te voyais tirer, tu gères le tir au stick droit, parce qu'apparemment, tu tires dans toutes les directions que tu veux. Oui, c'est un double stick. D'accord. Ouais, c'est agréable. C'est très agréable. Le jeu est pas facile, hein, il faut le savoir. C'est pas un jeu hyper facile. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Hein. Il faut aimer se perdre, il faut aimer chercher, beaucoup, beaucoup chercher. Il faut aimer repasser une, deux, voire 10 fois par le même endroit parfois, parce qu'on se dit, attends, c'est par où qu'il faut que je passe maintenant. Et jusqu'à presque avoir mémorisé la carte entière, en fait, et être fait incruster dans le cerveau. J'ai mis 16 heures pour le finir. Sachant que je suis plutôt rapide pour ce genre de jeu. Oui. Donc je pense qu'il faut bien compter la vingtaine d'heures. 25 pour vous. ouais, parce que j'ai un très bon sens de l'orientation. Donc généralement, moi, je passe deux fois dans la salle, je l'ai en tête. Si ce n'est pas votre cas, vous allez passer plus de temps. Et puis en plus, oui, le jeu n'est pas facile, donc ça aussi, ça peut retarder. C'est un peu, on a le système à la Hollow Knight, c'est-à-dire que si tu meurs, tu vas perdre, là, c'est que la moitié, tu perds la moitié de ton argent. Et d'ailleurs, tu peux mourir plusieurs fois et t'as la moitié disséminée plusieurs fois à plusieurs endroits. Et après, tu peux y retourner pour récupérer ton argent perdu. Et tu as la possibilité d'utiliser un système à la Metroid, c'est-à-dire de sauvegarde, pur et dur. C'est-à-dire que si t'arrives sur un save point, tu sauvegardes. Si tu meurs après, tout ce que t'as fait entre-temps, c'est perdu. À l'ancienne. Enfin, en même temps, Metroid Prime le faisait, ouais. Mais... Ouais. Bah oui, mais c'est à l'ancienne, Metroid Prime, je suis désolé. Oui, tout à fait. Il y a Negetsu qui demandait pas possible sur Switch car trop gourmand en pref ou en perf. Bon, ça m'avait pas l'air si gourmand que ça. Je pense qu'ils ont pas le budget. Enfin, quand tu vois que tous les défauts dont j'ai parlé, c'est des problèmes de manque de budget, clairement. Ouais. Donc, le jeu a pas eu un accueil extraordinaire. On oublie. Je pense qu'on peut oublier, ça vaut pas le coup de parce que ça va être beaucoup de temps d'optimisation pour le faire passer sur Switch. Parce que vous l'avez peut-être pas vu, hein, mais le jeu est vraiment très détaillé, c'est très très joli vraiment à regarder. On sent que ça passera pas tel quel sur Switch, c'est pas Prince of Persia.
Ouais. C'est au-dessus, hein, niveau rendu ouais. graphique. Mm-hmm. Donc ouais, non, on oublie, je pense, sur Switch, malheureusement. Oui. Peut-être sur Switch 2. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va arriver à un moment où tous ces développeurs indés vont se dire, oh là là, est-ce que ça vaut le coup de sortir ça sur Switch? Alors que c'est, on le sait maintenant aujourd'hui, hein, la Switch, c'est devenu un embouteillage pas possible. Ou peut-être bah, se dire, tiens, on va le lancer assez rapidement quand la Switch 2 arrivera, où il y aura peut-être un peu plus de visibilité pour mon jeu. Voilà. C'est pas dit que ça marchera beaucoup mieux dans ce cas-là, mais ça peut être tentant en tout cas de se dire, bah, le portage, il sera quand même beaucoup plus facile. Ouais, ah ouais. Mais voilà, moi, ça a été un immense coup de cœur, vraiment. Hein. Mais parce que je sais que c'est, là, en fait, c'est le jeu, il vient me dire, tiens, toi, je sais que t'aimes Metroid, je sais que t'aimes Hollow Knight. J'ai fait hop, j'ai pris les deux, j'ai fait des petits Lego avec, et tiens, ouais, c'est pour toi, cadeau. Très austère comme jeu. Ouais. Et je voyais un truc que j'aime beaucoup, c'est le déplacement de jetpack. Je sais pas si c'est quelque chose que t'as dès le début du jeu, mais... Non, j'imagine bien. Mais tu commences à rien. Hein. Ouais, voilà. ça doit être un peu le double saut ultime, ça. C'est... Alors, c'est... non, parce qu'on voit pas bien, mais en fait, c'est limité. C'est pas dans... Non, c'est pas dans l'air, c'est dans l'eau. Ah, c'est dans l'eau ? Ah ouais, d'accord, c'est des petites bulles d'eau. Ok, je viens de comprendre. Ok. Ah oui, tout à fait. Ouais, j'avais pas compris. Ok. Bon, bah voilà, si vous voulez un bon Metroid-like bien rugueux... Et vous avez The Moebius Machine sur PS5, PC et je sais pas quoi d'autre. Je sais pas s'il est sur Xbox. Si, je crois qu'il est sur Xbox aussi. D'accord. Et je l'ai fait sur PS5, voilà. Sinon, quelqu'un a entendu parler sur Switch d'un tactical à la XCOM avec des super-héros. Alors, je pense, Tipat, que tu penses à Marvel Midnight Sun sur un tactical avec des super-héros. Non, il parle de Capes. De Capes ? Apparemment, c'est ce qu'il a écrit. Ah, parler de Capes. Ah oui, non, alors Capes, je connais pas du tout, oui, pardon. J'ai pas vu le mot Capes. Je ne connais pas Capes. Non, je connaissais Marvel Midnight Sun qui ne sortira jamais. Mais voilà. Oh, bah si UMB en a parlé. Oh là là. De quoi ? De la Switch 2 ? Ou de Capes ? Ok. Eh bien, écoute, merci Toon pour toutes ces présentations. J'espère qu'on vous aide pour vos futurs achats. Parce qu'au milieu de tout ce qui sort, évidemment, c'est assez compliqué. Et nous, bon, on va faire une petite dernière demi-heure, un peu de chill entre nous. On va parler un peu de sujets d'actu du moment. À tout de suite. Oui, j'apparais, tout va bien. Ou alors, excusez-moi, j'avais mis sur Itch.io Unicorn Overlord, trois petits points, mais non, Unicorn avait beaucoup plus sa place dans le à quoi qu'on joue. Et là, eh bien, écoute, on va avec vous, évidemment, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Moi, j'avais deux sujets en stock. On en a un tout petit peu parlé tout un tout petit peu avant, donc c'est des sujets qui ne méritent pas beaucoup de temps. Voilà, donc ça m'embêtait de créer des émissions, des gros dossiers pour ça, parce que franchement, c'est des vous allez vite comprendre que c'est des sujets qui méritent grand maximum 15 minutes chacun. et en même temps, je trouve que c'est toujours assez intéressant d'en parler. Premier sujet, on va totalement quitter la Switch, même si on va plutôt parler marché jeux vidéo d'un point de vue beaucoup plus général. Et là, j'ai rien pour illustrer, hein, vous allez vite comprendre pourquoi. Rumeur PS5 Pro, oulala, rumeur PS5 Pro, je pense que ça n'intéresse que ceux que ça intéresse. C'est très bête de dire ça, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Qui plus est, moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas du tout consommateur de consoles pro. Toi, t'es consommateur de console pro, t'as déjà... Alors, il faut que je le dise quand même. Hein. ma dernière PlayStation avant celle que j'ai là, c'était la PS2. D'accord. Alors, je vais poser ma question autrement. Et j'ai eu aucune Xbox avant, donc ouais. Les pros, t'oublies. T'as pas connu. Alors, je vais poser ma question autrement. Imagine à la fin de l'année, une PS5 Pro sort... je pense qu'il va falloir quand même au moins rajouter 100 balles, donc à 650 €, en étant un peu plus puissante, qui va te permettre, grosso modo, les jeux qui tournent en 4K 30 FPS, ils seront peut-être un peu plus en 4K 60 FPS, quoi. Tu vas gagner un petit peu en framerate, ou tu vas gagner un petit peu en effet visuel, ray tracing et conneries X ou Y. T'achètes ou t'achètes pas ?
Alors là, comme ça, je te dirais, j'achète pas. Surtout après le laïus que j'ai fait sur le 30 FPS. C'est clair. En fait, ça dépend. Ça dépend parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la PS5, alors je vais aller à l'encontre de ce que tout le monde pense, je pense que la PS5 n'est pas assez puissante. Ah oui, je suis pas du tout d'accord. Il y a qu'à voir par rapport... Mais attends, je suis désolé. Par rapport aux performances des jeux... Alors, je parle pas des jeux maison, hein. Les jeux tiers qui sont dessus... Putain, je suis tombé sur un paquet qui ramait, hein. Oui, mais est-ce qu'il devrait vraiment ramer? Parce qu'à ce moment... C'est qu'ils n'ont soit pas eu le temps d'optimiser... Un Pokémon violet écarlate qui sort dans un état lamentable sur Switch, est-ce que c'est la faute de la Switch qui n'est pas assez puissante ou c'est la faute de Game Freak qui a pondu ça en 6 mois avec 15 développeurs, quoi? C'est... Oui. Moi, je pense que la PS5, quand même, elle en a dans le ventre, quoi. On le sait qu'en termes comparé à un PC... T'es quand même... Alors, on peut plus vraiment dire aujourd'hui PC haut de gamme parce qu'il y a du temps qui est passé, mais quand elle est sortie en 2020, c'était un PC haut de gamme. Aujourd'hui, on est plus sur un PC moyen de gamme. Ça reste quand même... Bon, ça reste quand même du matos qui est actuel, non, moi, je trouve. Surtout, moi, je me rappelle de l'époque PS4 où, à peine sortie, elle était déjà dépassée. Hein. Disons que... Attends, je vais étayer mon propos. Pour les jeux, de toute façon, qui sont faits par PlayStation, eux, ils le font de son pour leur machine, donc généralement, ça se passe bien. Je me fais pas trop de soucis non plus pour le GTA 6 qui va sortir, parce que c'est... C'est Rockstar, il est prévu et ça pour, sera... Et puis, il est prévu pour les consoles. Oui. Il est pas prévu pour le PC. Oui, en plus. Maintenant, les jeux tiers qui sortent aussi sur PC, c'est souvent compliqué. Et... Alors, est-ce qu'il faut aller taper sur les développeurs? Je pense pas. Parce qu'ils optimisent pas leur jeu. Est-ce qu'il faut se dire, ok, bah, y a Sony qui va proposer un matos un peu supérieur, ce qui fait que ces jeux qui sont un peu just pour rentrer sur la PS5, ils vont passer nickel sur la PS5 Pro? Je sais pas. Je sais pas sur qui il faut taper pour ces jeux qui rament. Je pense vraiment pas que ce soit les devs. Ça sera jamais les devs, hein. Certainement les éditeurs et le fait de vouloir sortir trop de jeux trop vite. Mettre trop sur le visuel. Comme d'habitude, parce qu'il y a toujours ce besoin de mettre un paquet sur le visuel, et puis tu te rends compte que derrière, bah, y a forcément, ça ne suit pas. Hein. Mais il faut se rappeler que l'optimisation, ça a un coût, parce que là, je vois que ça parle d'optimisation. C'est quelque chose qui coûte, et ça peut coûter très cher. Donc, Ah oui, bien sûr. À quel moment, qui c'est qui paye, en fait? Ça coûte très cher si, niveau ambition, tu mets la barre très haut. Si ton jeu, visuellement, est relativement simple, et je vais relativement, hein, parce que voilà, on ne demande pas un Baba Is You, quoi, hein, mais voilà, tu peux avoir un jeu qui soit relativement simple visuellement. Mm. Je vais prendre un exemple tout bête, même si c'est extrême comme exemple, mais Is This, okay, franchement, voilà, c'est le bas du bas de la chaîne élémentaire de en termes de visuel. Hein. Sur PS5, il tourne en 60 FPS, je ne sais même pas s'il y a une option 120, je crois. Parfaitement. Il n'y a pas une chute de framerate, il est en 4K, il tourne parfaitement. Mais en même temps, tu as un jeu qui tournerait sur PS3 en temps normal. Donc, il y a peut-être une sorte de pression de faire des jeux de plus en plus beaux. Parce que tu es sur PS5, quand je dis PS5, tu es sur une nouvelle génération qui s'est vendue sur la puissance, qui s'est vendue sur le visuel, qui s'est vendue sur une expérience premium. Donc, il faut que visuellement, ça ne soit pas de la PS4. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal. Quand tu vois Red Dead 2, quand tu vois Last of Us 2, bah, tu te dis, déjà, pour atteindre ce niveau-là sur PS5, il faut cravacher, quoi. Ouais. Oui. 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 Oui, mais là on parle d'une niche de joueurs qui ne jure que par les graphismes. C'est ceux qui gueulent sur Twitter. Mais elle a été vendue comme ça, la console. Critiquer Rise of the... Oui. Alors ça, c'est un autre sujet. Ouais. Ça, c'est un autre sujet, parce que je suis même pas sûr que la PS5 Pro arrive à faire ce qui a marqué sur le carton de la PS5. Le 8K. Voilà. Hein, on le fameux 8K. Pas. Non, mais je souhaite qu'elle ne le fasse pas. Aujourd'hui, les télés 8K, ça n'existe pas. Non, il y en a 4 dans le commerce fout. À 5000 euros. Faut arrêter, on va pas faire des gens en 8K. On va rater les bêtises. Mais si tu veux, là on va retourner dans ce débat, je le vois apparaître là dans le chat, de la puissance versus le gameplay.
déjà, c'est pas aussi simple. Et puis déjà, les développeurs font les jeux qu'ils veulent, enfin, qu'ils peuvent aussi, hein, malheureusement. C'est pas forcément eux les décideurs. Mais moi, j'ai vraiment ce truc de me dire, les tiers nous sortent des jeux qui rament sur PS5. Moi, j'ai joué à Banishers. Bah, Banishers, je suis désolé, il rame. Alors, sur Xbox, mais je pense que sur PS5, c'était pareil. À quel moment... Mais je crois que les jeux rameront toujours, quel que soit le support. Mm. Ils ramaient sur PS4, ils rament sur Switch. Ils rameront toujours. C'est parce qu'ils vont toujours chercher à... pas forcément avoir le meilleur visuel, parce que c'est pas qu'une question de visuel, parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qui bouffent en puissance derrière. Mais surtout, plus on va vers l'open world, plus on va vers les zones ouvertes, c'est très difficile pour un jeu de savoir où il en est, ce qui va te mettre à l'écran, de tout anticiper. Alors, il y en a qui le font très bien, évidemment. Mais je pense qu'ils veulent en mettre trop. Enfin, moi, c'est ma vision, hein. Je vois toujours ça. Ils veulent en mettre trop pour que ça reste joli. Mais après, tu pourras mettre une machine de la NASA derrière, il y aura toujours un problème. Mm. Si tu skips l'étape de l'optimisation, et je suis... Tu pars du principe que mettre plus de puissance, en fait, c'est réduire encore le temps d'optimisation dans les studios. Non, je pense... Alors, ça sera peut-être pas le cas de la Pro, parce qu'en fait, le cas de la Pro, Sony va imposer aux devs de quand même faire tourner les jeux sur PS5 classique, donc... Effectivement, je suis d'accord avec toi sur l'idée de dire que si ça tourne plus ou moins bien sur PS5 classique, ça devrait tourner très bien sur Pro. Mais typiquement, si demain il y a la PS6 qui sort, on aura les mêmes problèmes. Et c'est les mêmes qui disent « Ah, j'ai hâte d'avoir la Switch 2 pour avoir enfin un jeu Pokémon beau et fluide. » Vous aurez les mêmes problèmes sur la Switch 2, votre jeu Pokémon. Selon nos standards actuels, il sera ni beau ni fluide. C'est pas en rajoutant de la puissance que ton jeu il devient beau et fluide du jour au lendemain. On avait des jeux beaux et fluides sur Nintendo 64. Enfin, beaux, évidemment, beaux à leur façon. Pour l'époque. Pour l'époque. Donc, oui. Par contre, moi, là où ça me fait un peu plus peur, c'est qu'on sent malgré tout, enfin, moi, je sais pas, je le sens peut-être plus en ce moment, combien de jeux ont vraiment exploité la PS5 ? Combien de jeux, tu te dis, ah ouais, là, franchement, c'est la claque next-gen, la PS5, elle est parfaitement exploitée, elle crache ses poumons. Je pense que c'est une fausse question, en vrai. Ouais. Parce que le problème, c'est que quand tu fais un jeu de tiers, il faut qu'il sorte sur Xbox, il faut qu'il sorte sur PC, il faut qu'il sorte sur PS5. Oui. Et tu vas pas aller chercher toutes les consoles dans leur retranchement parce que ça demande une connaissance de chacune des machines au poil. Ouais. Et ça, tu l'auras pas. Non. Et chez PlayStation, tu as des jeux qui viennent vraiment te... je pense à... Alors, je sais pas s'ils la mettent à genoux, mais tu prends un Ratchet & Clank... Oui, mais ça, c'est les jeux maison. Oui, mais voilà, mais oui, mais on peut pas s'attendre à autre chose. Regarde sur Switch. C'est quoi les jeux qui exploitent le plus la Switch ? C'est les jeux Nintendo. Bien c'est sûr. Tout à fait normal. Ah non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais... Là, pour moi, là, on vient pas parler de ces jeux-là. Parce que je pense que ces jeux-là seront toujours optimisés pour la console. Et on aura toujours une expérience. Et là, si on joue qu'aux jeux Sony, on n'aura jamais besoin de prendre la Pro. Ouais, mais comme tu vois que tu as de moins en moins d'exclusivité. Parce qu'au final, t'en as pas énormément des exclusivités Sony PS5. T'en as, mais t'as beaucoup de jeux cross-platform encore. Enfin, là, ça s'est arrêté, mais il y en a eu beaucoup. Donc, vraiment, il y en a pas beaucoup qui... Enfin, pour moi, qui l'exploitent pleinement, mais effectivement, c'est Sony qui va exploiter sa console en premier, et Rockstar, mais ça s'arrêtera là. Il y en aura pas beaucoup d'autres derrière, ça c'est évident. Mais je trouve que, oui, plus tu rajoutes de la puissance, plus les devs auront du mal à exploiter toute la puissance. Enfin, moi, c'est... Enfin, moi, après, je pars du principe que je suis pas dev de jeux vidéo, mais je suis dev dans ma vie de tous les jours. Et je pense que c'est pas... Je pense que c'est se poser la mauvaise question, vraiment. De se dire, ah, est-ce que ça exploite la machine à fond ? Je pense que c'est beaucoup plus complexe que juste se dire ça. Non, c'est beaucoup plus complexe. Mais voilà, est-ce qu'une console plus puissante, parce que ça va être le cas, est-ce que ça va les aider ? Moi, je pense que oui. Ouais. Ça laisse plus de latitude, donc oui. Mais après, oui et non. Attention, oui et non, parce que forcément, je pense que ça, en vrai, je pense que ça change rien pour les devs, parce que il faut qu'ils sortent leur jeu sur PS5. Point. Et donc, qui est-ce que ça va aider ? Bah, peut-être, comme je disais, pour ces jeux qui sont un peu limite sur PS5, la PS5 Pro les fera tourner de manière un peu plus fluide. Oui, c'est ça.
Ça va être peut-être, le... et c'est de la grosse supposition. Hein. Oui, oui, oui. Alors là, on est vraiment dans la pure supposition. Vraiment, on va... ce qui est marrant, c'est... Moi, je regarde un peu ce qui se passe sur X. En 24 heures, on est passé d'une console de 32 teraflops à une console de 15 teraflops. Donc, c'était déjà très drôle. Oui, et puis on ne sait pas ce qu'on aura en vrai. Ça reste des leaks et des rumeurs. Vous savez absolument pas ce que vous aurez au bout du compte, même si on vous dit si c'est officiel et j'ai des infos super sûres. Ils avaient des infos super sûres il y a déjà une semaine pour vous dire que c'était du 35 teraflops. Complètement débile. Bref, ok, bah, je crois qu'on a à peu près tout dit sur la PS5. Attends, on va peut-être regarder un peu ce qui s'est dit dans le chat. Alors, Banisher, je ne l'ai pas vu ramer. Alors, Music Overall, moi j'ai joué sur Xbox Series X. Et alors, c'était pas gênant pour le jeu parce que c'était surtout sur des moments où ça chargeait en fait le décor à venir. Donc, tu sais, quand tu passes dans ces fameux couloirs ou trucs comme ça, où là le jeu il mettait une bonne grosse saccade, mais rien non plus de. Enfin, ça m'a pas du tout gâché l'expérience. Tac tac tac, qu'est-ce que je voyais Lord of the Fallen ou la PS5 tout ça aussi. Bah, tu l'as fait Lord of the Fallen. Ouais, mais sur Xbox aussi, ah, et oui. J'ai eu de mémoire aucun problème sur Xbox. D'accord. Je crois. Qu'est-ce que c'était bien Lord of the Fallen. Tu... Ibrahim, t'as jamais vu un jeu armé sur Game Boy? Ouh, alors moi si, j'en ai vu armé. Ouh, lolo. Ouh, si. si vous, les sprites, limite, ils disparaissaient. Ouais. Non, puis bon, on est de moins en moins tolérants. Hein. On a joué tout... Enfin, moi j'ai joué à Star Fox sur Super Nintendo, qui doit être à 10 FPS, Star Fox. Hein. Pas plus, hein, en réalité. Hein. Ouais, tous les jeux Game Boy RAM, ouais, ça rame. Ah oui, c'est notre façon de voir les choses, effectivement. Ça dépend, pas tous, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal où on voit qu'il y a des sprites qui n'arrivent pas comme il faut, des sprites qui arrivent en ramant. Même sur Mega Drive, je me rappelle, il y a des moments qui étaient très, très gênants, mais je sais pas, on voyait moins le problème à l'époque, je trouve. Ouais. Oui, j'ai beaucoup aimé Banishers Music Overall. Ah. Bon, et ben voilà, bon, d'autres points là-dessus pour dire. Bon, après, moi, je mets un message fuite en avant. Oui, on reste sur une éternelle fuite en avant. Ça ne changera rien. On pourrait être sur un monde parfait. On se dit, c'est bon, techniquement. Je pense qu'aujourd'hui, techniquement, les devs, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On arrive à un stade où je vois pas en quoi une PS5 peut brider des envies de gameplay. C'était non, le cas. Je pense, et on est à un moment, j'espère qu'on est au moment où on arrête cette course au toujours plus et où on essaye de trouver des outils qui nous permettent de faire la même chose plus rapidement. Ouais, genre l'IA cher, ou des trucs comme ça, ouais. Ah, ça serait bien. Hein. Ça serait pas beau. Pas forcément mais... l'IA, hein. Ça peut être des outils de dev complètement autres. Hein. Oui, ou des moteurs. Typiquement, là, dans l'Unreal 5, il y a quand même énormément d'outils dans l'Unreal 5 pour soulager, justement, les consoles. Ben, regarde Lords of the Fallen, c'est le premier jeu Unreal 5. Ah bah. Et il est impressionnant visuellement. Et pourtant, je suis pas sûr qu'il soit très gourmand. Hein. Et il a été fait par un petit studio en plus. Enfin, petit. Oui, non, mais pas. C'est pas un gros studio. Quoi. C'est pas un triple A, quoi. Non. C'est plutôt du double A. Stani, on dit que le jeu vidéo meurt, c'est vrai. Oh là, alors là, c'est grand débat. Non, bon, on en a déjà eu ce débat et on dirait que non, pour nous, il meurt pas, même si... Si, bientôt, alors je vous préviens, hein, bientôt, on pourra plus, parce qu'on aura plus que 3 gigas de DL par semaine. Et tu vas coder avec ton papier et ton crayon. En plus, toi qui es un codeur, tu le sais. Ah bah oui, c'est rien de mieux. Et puis tu mets ton petit papier quelque part et le programme, il sort. Pour le petit fun fact, quand je faisais mes études, on avait forcément des devoirs, des contrôles, et tu développais... Au papier et au crayon. Ben ouais, parce que tu fallait pas que t'aies Google hein, pour pouvoir t'aider à faire du code. Ouais, donc en fait, tu devais vraiment écrire de ton algorithme sur une feuille sur de papier. Sur une feuille, mais comme tu peux tout non, faire. Non, mais quelle horreur, quelle horreur. Faut que les politiques arrêtent de parler de choses qu'ils ne connaissent pas. Puis typiquement, le coût des 3 gigas est complètement débile parce que je crois que ça allait de pair avec... Si on met plus que 3 gigas, les gens arrêteront de raconter des conneries sur Internet. Tu vois, si on rationalisait un peu la data. Or, raconter des conneries sur Internet, ça prend pas beaucoup de data. Non. Mais ça partait d'une bonne intention. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Ouais, si, ça fait partie du débat où disant on va rationaliser pour qu'il y ait moins de fake news, il y ait moins de cyberharcèlement. Mais alors qu'en fait, c'est pas ça qui consomme. Hein, tu peux cyberharceler quelqu'un pour 8 mots par semaine, quoi. Deux échanges sur Twitter. C'est presque slogan publicitaire, tu sais. Harceler pour pas cher. Hey, pour seulement 8 mégas.
Non, ou sinon, tu reviens à ce que moi, par contre, j'ai vécu, et peut-être toi aussi, il y a à 20 ans, parce que ça, c'était le début d'Internet. Moi, je me rappelle de mon forfait Club Internet 20 heures pour un mois. Là, c'est sûr que tes 20 heures, tu les comptais. Tu comptais chaque minute, ouais. Et t'allais pas passer ton temps à cyber-harceler quelqu'un. Là, ouais. Voilà. Allez, bah, moi, je vais me lancer dans la politique et je propose je le retour du forfait à 20 heures. Votez pour moi. Bon. Ouais, ouais, ouais. Ouais, si, je voulais juste dire un tout dernier truc pour finir. Tu n'auras pas mon vote, tu m'étonnes. Même moi, je vote pas pour moi. Dernier truc pour finir. Oui, parce que je voulais quand même qu'on en parle un tout petit peu. Sans parler du futur de la Switch, parce que c'est vraiment pas l'intérêt. On a quand même un planning premier semestre qui est pour moi devenant Nintendo. Comment dire pour être poli ? Catastrophique ? Non, extrêmement de niche en tout cas. Alors, extrêmement de niche, mais moi je trouve en plus que c'est de la niche trop accessible. C'est-à-dire que Another Code, c'est un visual novel, mais je dirais Another Code, c'est un jeu que je conseillerais pour être mon premier visual novel. Mario versus Donkey Kong, c'est mon premier jeu d'énigmes. Princess Peach, c'est... Non, c'est pas un jeu d'énigmes. Oui, enfin, mon premier puzzle game ou je sais pas quoi. T'as pas vu mon test. Oui, c'est un puzzle game, quoi, un truc comme ça, quoi. Non, c'est même pas. Oui, mais c'est un truc hyper accessible, justement, mais c'est... Ben non, il est... en plus, il est pas facile. Ouais, il est pas facile, mais... Non, moi, je le conseillerais à personne, donc je sais pas. Princess Peach, on l'a pas encore, mais on se doute que ça va être un peu mon premier jeu d'aventure. Et c'est marrant parce que ça a commencé déjà en novembre. Parce que pour moi, Mario RPG, j'en avais parlé comme mon premier RPG. Et c'est vrai que là, on arrive sur énormément de propositions de gameplay qui sont, je trouve, bah, pas très abouties. Et je comprends pas pourquoi Nintendo fait revenir ces jeux. Alors, c'est les fonds de tiroir, c'est la fin de vie de la Switch, mais quitte à faire des remakes et des remasters dans tous les sens, pourquoi tu fais revenir tous ces jeux qui sont quand même très typés, hyper accessibles? Et au-delà de ça, c'est des jeux qui, même à leur sortie initiale, ont été loin de faire des cartons, quoi. Oui, ah bah aucun. Enfin, je veux dire j'en ai choqué certains, mais Mario versus Donkey Kong, j'ai appris son existence oui. Lorsqu'ils ont annoncé le remaster. Oui, alors que bon, c'est vrai que moi je le connaissais, mais j'y avais pas joué. Et pourtant, j'en ai fait des dizaines des jeux sur Game Boy. Enfin, Game Boy Advance. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a cette accumulation. Alors là, ça va peut-être un petit peu changer. Quoique même, je pense qu'Endless Ocean, ça va être encore très accessible. Il y a peut-être que le Paper Mario qui l'a. Mais Paper Mario, ça reste quand même du RPG très accessible. Mais bon, lui je trouve que c'est le seul qui a une grosse proposition. Ça reste extrêmement de niche. Oui. Oui, mais en fait, tu prends un Metroid, c'est une niche. Tu prends un F-Zero, c'est une niche. Mais oui, mais ça vient parler à d'autres personnes. C'est ça. C'est une niche qui vient nous parler à nous. C'est une niche, oui, non, mais c'est à nous, oui, mais aussi qui vient draguer d'autres publics qui sont pas forcément sur Nintendo. Oui, c'est ça que je veux dire. Tout à fait. Là, oui, alors c'est sûr qu'ils vont draguer une partie du public Nintendo. Je pense que c'est des choix qui font que ça se vende. C'est des jeux qui doivent se vendre. Beaucoup, je sais pas, mais ils doivent se vendre. Bon, Another Code, non, je crois pas. Mais Mario versus Donkey Kong, on l'a vu longtemps dans les charts France. Je pense que le Princess Peach va très bien se vendre. Vraiment. Ils mettent le paquet dessus. Je pense qu'il y a des grosses attentes derrière. Mais tu vois... Moi, j'ai hâte de voir le retour de Jazz sur Princess Peach. Ouais, moi aussi. Parce qu'il m'a vraiment pas déplu. Hein. Donc... Oui, Jules Rochard, tu parles des Yuden Chronicles, non mais voilà, et puis je pourrais parler de Unicorn, je pourrais parler de Prince of Persia qui est sorti en janvier, il y a eu des super jeux sur Switch sur le premier semestre. Mais là vraiment on est sur la proposition Nintendo qui est, je trouve, en tout cas moi qui ne me parle pas du tout, pour faire les choses. Bah, c'est ça en fait, elle ne nous parle pas du tout. Alors après je dirais il y a peut-être quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'avec... tous ces jeux sur le premier semestre, c'est qu'il y aura forcément une proposition sur le second semestre. Ils ne peuvent pas faire du vide. S'ils n'avaient rien sur le second semestre, ils auraient plus étalé les jeux. Là, à tout balancer comme ça sur les 6 premiers mois, c'est qu'il y a forcément des trucs derrière. On verra. Mais je suis pas convaincu. Je sais pas, ils auraient pu nous sortir un remaster d'un Zelda.
Mais oui, non, mais quitte à nous sortir un remaster, tu nous sors un remaster d'un Zelda, je sais pas. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Enfin, j'arrive pas, mais je la comprends. On va se dire, on est en fin de vie, donc on va toucher le public assez large, mais bon, c'est une niche d'un large public. C'est peut-être l'occasion de faire revenir ces jeux, parce que sinon, tu les ferais jamais revenir. Je sais pas, moi, ça me... Prime 2 et Prime 3, on attend, ouais... Alors, ils n'ont pas prévu. Alors, si, prochain Pokémon 2025. Donc, ouais, non, là, on parlait de 2024. Et puis, Prime 2 et Prime 3, on est encore sur de la grosse niche. Hein. Ouais. Autant un Prime 4, je pense que lui, il va faire venir du monde sur la Switch. Ou Switch 2, peu importe. Autant Prime 2 et 3, là, on est sur. Mais c'est des jeux. Petit remaster, je pense. Ouais. J'allais dire, c'est des jeux qui nous parlent le plus, mais moi, je suis persuadé qu'ils n'auront pas le traitement de Prime 1. Non. C'est sûr. Voilà. Donc, on est d'accord. Je pense à un potentiel promo à venir sur la Switch, voire une Switch Mini. Ah, la Switch Mini, une belle rumeur encore. Non, mais elle arrivera peut-être un jour. Je pense que pour moi, Nintendo ferait une promo sur la Switch le jour où ils annonceront la Switch 2. N'attendez pas de promo avant. Donc je sais pas le Et jour. Encore. Et encore, tout à fait. Soit le Et jour encore. Où ils annoncent la Switch 2, soit le jour où la Switch 2 sort. Et encore, moi franchement je suis même pas convaincu parce que s'ils te sortent une Switch 2 à 400 balles, oui, ils pourront. T'auras toujours une solution du coup à moindre coût et la Switch restera. Et en plus, t'as en plus la Lite qui est à 250 200 200, je sais plus. 200. 200. Ils l'ont, le fait, ouais. Ils ont pas besoin en vrai, je pense. Ah, bah de toute façon, aujourd'hui ils sont dans une situation. Très différente de Sony, parce que alors Sony, c'est promotion un jour sur deux. Hein. Je voyais encore, Sony se vantait d'avoir... enfin, c'est pas Sony qui se vantait, on va dire, c'est plutôt les pro-Sony qui s'extasiaient devant les belles ventes de Sony en février. C'est vrai que Sony encore fait des belles ventes de PS5. La PS5 se vend très bien, je suis pas en train de dire le contraire. Mais février, elle était en promo pendant tout le mois. Février, c'était le mois où elle était en promo. Où il y avait des moins 75 euros, je crois, sur chaque console, voire même plus dans certains magasins. Donc... tout le temps en promo, quoi. Et c'est vrai que la Switch, c'est rare. Il y a un peu de promo en fin d'année. Mais c'est des promos genre t'as un jeu avec. C'est plutôt ça pour le même prix. Ce qui... Ouais. Ah, pourquoi pas un nouveau Kid Icarus ? Alors ça, c'est le truc que j'ai jamais compris. Kid Icarus, c'était des jeux de plateforme. C'était du pur de plateforme 2D. Et après, c'est devenu un rail shooter. Donc c'est quoi un nouveau Kid Icarus, en vrai? Je pense que les gens, ils sont plus sur le pricing, hein, c'est-à-dire le rail shooter, parce que c'est vrai que les jeux de plateforme 2D, ça pas plus non. Marcher. Wind Waker cet été, ça c'est encore une belle rumeur, ça, je sais pas qui l'a sorti celle-là, mais... Hein, moi je tiens à vous dire que... Après on prend, hein, mais bon, si jamais. Ouais, on prend, non ouais. Tu te referais pas Wind Waker? Quand même. Faudrait créer vraiment rien d'autre en face. J'adore Wind Waker. Alors moi, je l'ai toujours dit. Pendant longtemps, j'ai dit que c'était mon deuxième Zelda préféré. Maintenant, c'est peut-être mon troisième. Mais j'adore Wind Waker. C'est un jeu que j'adore. Mais si c'est juste pour se retaper la version HD qu'on a déjà eu sur Wii U, bon, voilà. Alors moi, je l'ai pas fait sur Wii U. Hein, mais c'est un jeu que je connais, quoi. Je préfère toujours. Tu sais, oui. Quand il y a plein de remasters qui sortent comme ça. Si vraiment ils n'ont pas été retapés à fond, si c'est juste un genre un portage HD, comme l'était Wind Waker HD, s'il y a n'importe quoi nouveau en face qui m'intéresse un tout petit peu, je prendrai la nouveauté. J'irai pas sur le remaster. C'est sûr, c'est sûr. Et voilà, c'est pour ça que je suis réaliste en me disant oui, j'aimerais, mais je sais pertinemment que j'y jouerai pas. Ouais, vu comme ça. C'est vrai que moi non plus, en fait, en vrai. Autant à Ocarina of Time, non, j'y rejouerai pas parce que je crois que j'ai dû faire une dizaine de fois le jeu. Un petit Wind Waker, j'ai dû le faire que deux fois. Je suis comme toi, ouais, j'ai dû me limiter à deux fois. Et c'est vrai que deux fois et deux fois sur GameCube. Donc ça remonte. Mais bon. Ouais. Ah oui, moi pareil. C'est vrai que ça remonte pas mal. Skies of Arcadia, je pense que c'est le jeu, il faut pas qu'il ressorte. Non? Non. Je crois que ça fait partie de ces jeux, il vaut mieux qu'ils restent dans notre mémoire. Hein. C'est ça. J'ai beaucoup aimé. Dans ma mémoire, il est génial, Skies of Arcadia. Je suis pas sûr de vouloir le revoir. Je crois que vous avez tous oublié le héros, dont j'ai oublié son nom. Ah, le héros de Skies of Arcadia. Oh, je sais plus. Tête à claque. On va l'appeler Tête à claque. Vise, Vin, un truc comme ça, je sais pas. Oh, je crois qu'on peut pas... Vise, bah tu vois, merci Stanis, j'y étais. Bah Vise, plutôt. Il est revenu comme ça, le Vise.
Je crois que dans la catégorie du héros qui va sauver le monde avec le pouvoir de l'amour et l'amitié, il y a Vice au-dessus de tous les autres. Voilà, vous imaginez le pire, mais il y a encore Vice au-dessus. Non, il est trop cool. Ah non, pire que Rex. Ah, pire que Rex. Large, pire que Rex. Ouais, bah tu vois, Rex, j'ai tenu, je sais plus, 5 heures à écouter ces trucs. Ok. Non. De quoi, non? Non, parce qu'il va rester dans mes bons souvenirs. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais moi aussi, ça reste un bon souvenir parce que c'est le voyage. C'est un super jeu, Skyrim Arcadia. Hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est nul. Hein. Mais Vice, je sais que je pourrais plus. écoute, cher sur GameCube, bah ouais, bah ça fait partie de ces jeux qui sont pas du tout réédités, qui n'ont toujours pas eu de portage, qui n'ont pas eu de remaster. Donc ouais, ils coûtent une fortune. C'est comme le Paper Mario et la Porte Millénaire qui forcément risque peut-être un peu de décoter dans sa version GameCube maintenant qu'il y aura une version Switch. Bon, est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur ce merveilleux planning du premier semestre 2024 de la ouais, Switch? Ouais, vous inquiétez pas, il y a les jeux indés. Alors là, t'as vu l'actu, hein. J'ai pensé à toi, mais l'actu, elle était que ça. Ouais. Franchement, ah bah ça... ouais, aujourd'hui, ça a fusé, même pas qu'aujourd'hui, là, ces derniers jours, ça a fusé, hein, les annonces de dates de jeux indés et de jeux indés qu'on attend vraiment, quoi. Ouais. Enfin, ouais. Animal Well, je pense que ça va être quelque chose. Tu l'as pas dit d'ailleurs, Animal Well, c'est pour ceux qui connaissent Video Game Donkey. Je sais pas si toi tu connais. Oui, mais si, bah, je regardais ces vidéos il y a très longtemps. Ouais. Mais, ouais. Et ben c'est son studio. Ouais, j'ai vu ça. Et c'est surprenant, donc mais c'est rigolo. Très bien. C'est quelqu'un qui a fait fortune sur YouTube. Et en plus, c'est quelqu'un qui faisait des tests très courts. Ça dure 5 minutes, ces vidéos. Il y en a plein encore. Hein. Mais souvent très humoristique. Et puis un humour assez gras quand même. Hein. Voilà. C'était vraiment pas dans la finesse. Et je le voyais pas du tout financer. Enfin, financer, bah, il reste quand même un peu éditeur. Donc, il finance un jeu indé ultra pointu comme Animal Well. Mais tant mieux. Tant mieux, vraiment cool. Eh bien, merci. Écoutez. Eh bien, avec plaisir. Voilà, bah, vous nous direz dans le chat ce que vous avez pensé de cette fin de soirée. Discussion à la cool sur les différents thèmes d'actualité. C'est pas... Alors, si ça peut être un format qui pourrait revenir dans le futur, parce que c'est tous ces petits formats où on estime que ça sert à rien d'en parler pendant une heure. On a toujours consacré des dossiers d'une heure et demie. Et c'est vrai qu'on s'interdisait beaucoup, beaucoup de choses parce qu'on se dit, non, mais ça, on va pas parler pendant une heure et demie de la PS5 Pro, je crois. Que déjà, vous avez senti au bout d'un quart d'heure notre gênance. Donc, au bout d'une heure et demie, ça serait compliqué. À quand la bêta d'Inazuma Eleven? Bah, théoriquement en mars, mais le mois de mars avance. Donc, ça peut tomber du jour au lendemain. Voilà, et apparemment ça devrait quand même tomber très très rapidement parce que le fichier de la bêta a été rendu accessible par erreur à un moment, donc on sait la taille que ça prend, enfin il existe ce fichier, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton a priori pour le rendre actif et peut-être corriger 3-4 bugs. Merci Toon, merci à vous tous dans le chat. Arsi, quand même dernière info, je serai pas là la semaine prochaine et donc le mardi prochain, si tout va bien, ça sera le mardi, c'est Toon. Et peut-être Oja, même. Une autre formule. Oui, c'est ça. La rime, là, marche moins bien, mais c'est pas grave. Toon aura les commandes de l'émission mardi prochain, voilà. Faudrait être indulgent. Ah, oui, ça va très bien se passer. Ça va. Ouais, Toon va faire un putsch. Je lui donne toutes les clés. Donc, moi, je le suivrai de loin. Nous, on se retrouvera dans 2 semaines, mais je suis sûr que Toon et Edja, en théorie, hein, si j'ai bien suivi, vont vous faire une petite soirée aux petits oignons. Parfaite, mardi prochain, mois, petit repos. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, à très bientôt. Allez. Ciao tout le monde. Bye bye.